Vas-y, mon jugement sans buzz, là. C'est Canelo? Que votre peine soit exécutée, je vous autorise à parler, soit à téléphoner, soit... Mais merci, KPR, mon frère, merci, merci. Suite à cet appel, ou à cette entrevue avec les forces de l'ordre, votre sentence sera déterminée. Vous serez transféré au pénitencier, où votre condamnation à mort se fera d'ici les prochains jours. Ouais. Monsieur Harris, adieu. Ouais, frérot. Maître Presto. Non, Force, c'était condamné à mort. T'as fait quoi? Ah, monsieur Alacorne, vous êtes là, c'est bon. Parfait. Salut, monsieur Alacorne. Ouais, ça va, super. T'as fait quoi pour mourir? Ah, rien, écoute. Hein. Écoutez, ce monsieur, il nous a tiré dessus. Et fait surprenant, c'est qu'il nie avoir une arme sur lui, alors que je l'ai moi-même fouillé. Et donc, du coup, il écope pour possession d'armes de catégorie B, tentative d'homicide volontaire, dissimulation de preuves et terrorisme. Tout ça avec zéro preuve. KPR, merci. Imaginez, monsieur Alarcorn, un homme dangereux. Ouais, c'est... pour ça qu'on l'emmène au pénitentiaire. Parce qu'il n'y a personne de sa famille, rien. Et vous? Moi, c'est rien, c'est une petite affaire de merde. Ah oui, c'est vrai. Mais j'appelle l'agent en charge, d'accord. Ah, bah c'était moi. Non, non, et Logan. Ah oui. Logan, j'entends un bruit de crime en fond. Il est au tribunal. C'est mon ordi. Ah bah, au final, il est là, monsieur le Gouve. Trop tard. Coutumas, blablabla. J'étudierai le dossier et je le ferai condamner s'il y a besoin. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon, Logan, au final, c'est bon. Vous avez entendu, monsieur Alarcorn? Ok. Mais je peux au moins retirer le bracelet? Oui, retirez-lui le bracelet. Oui, on va vous le retirer. Merci. Vous venez là? Parfait. Allez, hop, hey. Pouf, oh lolo, il n'y a plus de ralentir. Déjà que sous bracelet, ZB, il n'y avait pas de ralentir. Qui tué, monsieur Alarcorn? Le procureur? Le juge? Ah, le juge. Vous êtes au courant? Kruger? Oui. Ah, le pauvre. Non, j'étais pas au courant. Hop. Hop là. Oui, il a fait quoi, tu vois, c'est pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Et tout bon. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. On vous recontacte. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, Alarc. Wesh, elle est amoureuse ou quoi? Oh, César. Allô. Dis-moi. Il y a Denis qui va vous envoyer une position. Ils m'ont attrapé. Ah, ils t'ont attrapé? Non, je rigole, c'est une blague. Vous êtes où? Tu dois pas te faire juger, toi? Ouais, mais c'est bon, ils ont annulé le jugement, ils m'ont retiré le bracelet. Ah, ok, ben c'est pas bien, on va passer te chercher là. Ok. Vas-y, à tout de suite. Vas-y. Mais me chercher où? Allô? Ouais, allô? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi, toi, poté? Tu cherches quoi? Comment ça, je cherche quoi? Tu veux mourir? Comment ça, je veux mourir? Pourquoi tu m'as pas appelé? Y'a plus de nouvelles de toi, y'a pas d'informations, y'a rien. Mais j'ai eu un problème. J'ai été obligé de rentrer au Mexique urgemment. D'accord, là, t'es revenu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Là, y'a beaucoup de choses qui se passent, César. Ok, ben je te rappelle, là, dans même pas 5 minutes, ok? Vas-y. Parfait. Bientôt, mon frère. Oui. Ça va ou quoi? Ça, on le sait. Vous allez bien? Ouais, ça va, c'est pas bien. Venez, on va discuter. Des... Ça va quoi, César? Tranquille. Tranquille. Son jugement, il a été reporté à César. Ah ben? Ouais. Ils l'ont tiré le bracelet et tout. Ok. Ouais. Je suis arrivé en retard. Pour ce qu'on a dit, je crois. Ah non, bah non. Ok. Non. Si, on va. Très bien, je vous envoie l'adresse là, sous peu. Excusez-moi, un petit contre-temps, hein. On l'a dit, 6-5 minutes, vous allez dessus. Ça va bien, allez, à des suites. On a besoin d'infos, César. 5 minutes, les gars. Albrecht, qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Qu'est-ce que tu connais de lui? Qui, sur qui? Albrecht, l'avocat. Albrecht? Ouais, Albrecht, je sais pas quoi, là. Oula, je sais pas. Il est souvent avec les Forbes. Souvent avec les Forbes, jamais vu avec Morin. Ah si, Mora, hier il était là. Hier il était là. Ah ça, hier il était là. Tu l'as vu de tes yeux? Ouais, de mes yeux. Il se cachait, il voulait pas que je le voie. Ah bah. Okay. En fait, c'est pas les Forbes, c'est avec Mora, je suis fou.
Ok, d'accord. Donc, ok, très bien, très bien. Tu l'as vu. Il était dans la. En gros. Au niveau du méga mall. Exactement. Il était dans une voiture et collé à nous, vite teinté, il descendait pas. Il écoutait la conversation. Après, moi, j'ai insulté la voiture. J'ai dit oui, il descend. Pourquoi tu te montes pas? Et après, il est sorti et c'était lui. Il a dit quoi? Rien. Bah, rien. Moi, je le connais pas. Je pensais pas qu'il était important. Donc, je lui dis pourquoi tu te caches? Moi, je m'en fous de ta vie. Et après, il m'a dit ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il se colle au Morra? Très bien, ok, c'est bon, c'est ce qu'il nous fallait comme information. Le problème, c'est que maintenant, en fait, t'en as rien à foutre de sa vie, oui et non. Parce qu'en fait, ce connard, il peut devenir juge à la place de Krug. Ok. Voilà. De Kruger. Et là, je le vois avec Morra, qui est clairement identifié comme une personne à risque concernant la sécurité du gouvernement, la sécurité de l'État. Qu'est-ce qu'il fout avec Morra, ce qu'on a? Ah, c'est vrai, donc il faut pas qu'il soit juge. C'est ça. Maintenant, la question, une autre question. Il va être juge, mais ça va être mon juge, ça va pas être le juge de Morra. C'est ça. Le juge de Mikey ou quoi. Et si j'apprends. Ils veulent élargir leur réseau. Je le crève. Faire comme tout le monde, c'est ça. Les gens, ce qu'ils s'aiment. L'argent, le pouvoir, les chicas, hein, les grosses bagnoles. Une villa avec piscine pour faire des parties fines dedans. C'est ça qu'ils veulent, ces connards. Envoler la position comme ça, on le brief là, ça y est, c'est bon. Non, mais par contre. Après, je sais que Mikey, il plaçait un juge. Je veux que j'appelle Mikey, je lui demande si c'est lui qui le plaçait. Oui, c'est lui, c'est lui. Ouais, c'est on le sait, on le sait. Il est dedans. Il est dedans, c'est lui. Le truc que je me pose comme question, c'est est-ce que Mikey veut placer Albrecht dans ce truc-là? Mikey infiltrer le golf club? Pour le compte de Morra, ça, c'est ça lui fait deux têtes, en fait. Il est en train de placer ses pions, tout simplement. Il veut placer un pion au golf club et un pion à la justice. C'est tout simple. C'est exactement ça. Et c'est Morra qui est en train de faire ça. C'est tout simple. Déjà, on est sur cette enquête depuis un petit moment. On savait pas comment prouver les choses. Mais Mikey l'a sorti. L'AK qui m'a donné, il l'a sorti d'où lui. Ben justement, ça, c'est le prochain rendez-vous qu'on va avoir, en fait. C'est la prochaine étape par Morra. Par Morra, ouais. Tu vois? Pas sûr. Ça peut être aussi une surprise. S'en fiche. Vous voulez pas que j'appelle Mikey, je lui en commande une autre pour voir s'il en a beaucoup. Non, mais on le cueille. Il a buté Kruger avec quoi, Kamar? Avec un pompe. Exactement. Plus une AKU qui te donne comme ça, lui. Oui. C'est quelqu'un qui possède des armes assez facilement, quelqu'un qui fait ça. Après, je peux l'appeler. Moi, je pense que je l'appelle et... Je pense que je peux gratter l'info. Là, je l'appelle, je fais comme si je veux une nouvelle arme. Je lui dis, ouais, comment tu les as? T'as dit que tu travaillais pour Ochoa. Ils savent. Leur côté savent maintenant. Non. Il faut que ça soit le patron qui le convoque, comme si c'était voilà, une convocation pour le golf club. T'inquiète pas. Et là, il va venir se livrer tranquillo. Et là, on va le questionner. C'est bon? Ok, c'est bien. Mais on va se mettre en position. Dès qu'il est là, on débarque. Monter dans les coachers. On va le voir, de toute façon. Joli véhicule. Allez, lancez. C'est bon, t'es garé? Ouais, c'est bon. Allons-y. Hey, pour Bubule, tu lui as dit? Attends un peu qu'il te voit pas. Je lui pisse au cul, moi. De toute façon, hier, j'ai dit clairement, moi. Je leur ai dit, je travaille pour Ochoa. C'est bon, vas-y, rentrer. Hey, pour Bubule, vous l'avez dit à Ochoa? Non, pas encore, tu vas lui dire. Histoire que c'est toi qui ramène les infos. Comme ça, t'es un bon élément. Enfin, tu l'as déjà survolé vaguement, quoi. Je rentre. Vas-y, rentre, faut qu'on file des badges. Wesh. Les gars, c'est flatteur, ils me font confiance. Putain, je leur suce la bite. Je suis fidèle à eux à vie. Les Forbes, fallait que je... Ouais, je fallait... J'ai coupé 1000 buissons. Voilà, Seigneur. Seigneur Abrech, vous pouvez y aller par un chemin. Vous connaissez ma fonction, vous savez qui je suis. Bien sûr. Qui suis-je? Vous êtes Monsieur Ochoa, à la tête du service secret du gouvernement. Oui, ministère de la vérité, exactement. Vous êtes les yeux et les oreilles du gouvernement. Celui qui règle
celui qui règle les problèmes et qui trouve les solutions. Toutes ces informations, vous avez appris comment ? Curieux. Comme vous me l'avez dit, chercher une chaise. Parfait. Nous sommes bien retenus. Le plaisir. Très bien. On va commencer par le vif du sujet. Partez de la base, pense. Et je vous l'ai déjà dit. Merci, mon frère. Que nous connaissons. Capère, merci encore. On va vous poser, Seigneur. Bien sûr. C'est une certitude. C'est notre métier. Certains disent qu'on bluffe, certains disent qu'on rigole. C'est bien, mais que je suis, merci, mon frère. Mais chez nous, la rigolade a un prix. Et c'est une balle de 44 Magnum. On rigole pas trop, en fait. Donc, ceux qui croient qu'on est des bluffeurs ou des rigolos, ben, en général, ils ont vite la réponse. Je vais vous poser une question. Quelles sont vos relations avec... Avec Hector Mora. Voilà, parfait. À la place, on voit la rêve du champion. KPR. Il est vif. Il est très vif. Tout de suite, BG. Il a compris, il a compris. Dis-moi, Stade, dis-moi. C'est une question que je m'attendais que vous alliez poser cette question au jardin. Ma surprise était que non. Et quand j'ai compris l'ambiance de cette salle, j'ai vite compris pourquoi j'étais là. Alors, ma relation avec Monsieur Hector Mora, je suis son avocat ainsi que l'avocat de toute sa famille, de toutes ses entreprises. Ah ouais, c'est ça. Je suis beaucoup avec eux, on va dire. Problématique, non ? Oui, actuellement c'est problématique. Comment vous appelez ça dans le jargon juridique, un conflit? C'est une dinguerie comment ils sont calmes face à... Ouais, c'est choquant. Il y a, oui, effectivement, un grand conflit d'intérêts. C'est plus devant le canon, tu bégayes, c'est devant Ochoa, tu c'est bégayes. C'est quelque chose dont j'ai déjà réfléchi. Bon. J'ai déjà trouvé mes solutions. Et j'ai déjà... Est-ce qu'elles sont validées, vos solutions? J'ai annoncé à M. Mora que je ne serai plus son avocat. Justement, je lui ai dit que c'était pour des raisons personnelles et je lui ai donné un autre avocat. Vous m'avez vanné, harcelé. Maintenant, vous êtes jaloux sous cette chevelure. C'est vendredi ? Intact. Soir, tard dans la soirée. Vendredi soir. Hein ? Avant, donc après le rendez-vous du jardin. Le rendez-vous du jardin s'est effectué mercredi, me semble. Donc, et comme vous me demandez la vie de ma mère, ça m'excite. Ah, bien. Aizen, ça veut dire ça marche. Et ça... Je lui putain. Dis ça, il m'a pas posé de questions. Mais la question que je me pose, Seigneur, après, c'est... Là, toujours, mais pas comme avant, frère. Moi, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre. Je n'ai jamais une branche sans en avoir attrapé une autre, dirait le philosophe. Vous lâchez Hector Mora sans avoir eu la confirmation que vous allez être nommé juge, non ? Donc, vous avez déjà lâché la branche Mora, mais pourquoi aussi vite ? Parce que je sais que ça va influencer votre décision. Et moi, actuellement, dès que je suis venu à Los Santos, j'avais dit à Kruger, je veux être juge. Mon objectif ultime, c'est être juge. Et à partir du moment où mon objectif se présente, d'être du côté de l'État et pas contre l'État, je suis prêt à tout lâcher. Et même sans avoir la certitude que ce sera le cas. Quelqu'un d'autres questions? Tu étais là hier avec Mora et, est-ce que et tu tous les autres. Tu as lâché ta fonction ou tu es toujours en fonction? Parce que si tu es plus en fonction, tu es toujours très proche d'eux. Non. J'étais là, oui, César. J'étais là au parking du Mega Bowl, effectivement, oui. Oui, c'est même toi qui as déposé Guadalupe. C'était en fin de soirée, comme je t'ai dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Guadalupe, sur ce rendez-vous? Elle avait bien dû se confier un petit peu. Elle m'a dit que César avait, comme elle dit, pété sa bouche sur sa relation avec le clochard. Et tu es qui ? Qui lui-même a été balancé par un autre clochard. Enfin bref, je ne suis pas là pour rendre compte de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Oui, mais c'est pour c'est César pas ça. Ou autre, de quoi ? La vraie question, c'était pas ça. C'était avec Mora, hier, clairement, sur le parking. Oui, et surtout que, du coup, Guadalupe, c'est qui? C'est une cliente aussi? Non, c'est la famille. C'est la sœur de Hector Mora.
Donc c'est bien que vous avez plus qu'une relation avocat à client, c'est, si elle se confie comme ça sur vous. Pas, ah, bien sûr, cas, bah, dans voilà, tous les quoi. Cas, Guadalupe, c'est une personne qui se confie beaucoup aux gens. Donc voilà, vous confirmez bien que du coup, vous êtes plus qu'un avocat. Vous êtes chauffeur, confident, avocat et ami aussi. Non, je ne suis ni chauffeur ni ami. Ok. Vous l'avez posé comme ça par excès de sympathie. Car j'étais... Non, allez-y, posez votre question. Pourquoi je me suis caché? Parce que je suis resté dans la voiture. J'avais pas besoin de sortir, c'est leurs affaires. C'était des affaires qui me concernaient pas trop. Déjà, je sentais ma présence assez prohibée par leur famille. Bon, à bout d'un moment, je suis sorti de la voiture et puis c'est tout. Mais dans tous les cas, dans ce genre de choses... Allô, César. Ouais. Ouais. Bon, vas-y, raconte-moi. C'est compliqué. Parce que ça commence à faire... Je sais pas comment ni pourquoi, mais ça fait le tour en ville que... Il y a... quelques personnes qui ont l'air de savoir que... Il y a des personnes qui s'éloignent de moi, quoi. Qui me le font pas, enfin, qui me le disent pas en face, mais qui s'éloignent de moi. Qui? Ben, les Moras, ils ont souhaité prendre des distances par rapport à la coalition, etc. Sûr, les Moras et qui d'autre? Et les Santana, j'ai pas trop de nouvelles, là. Il faut que je les vois ce soir, normalement. Parce que j'ai eu un problème, comme je t'ai dit, il y avait des trucs organisés, mais... Et Gordon, Jody, tout ça. Gordon, je sais pas qui c'est, moi. Ok. Et Jody, par contre, on a un gros problème. Oui. C'est que... Jody, vous l'avez kidnappé, non? Pas longtemps après moi. Ouais. Bah ouais, bah du coup, vous lui avez dit pour moi. Non. Bah c'est problématique, parce que en gros, elle a dit à des gens que... Ben voilà, c'est pour ça que je te dis, là, ça commence elle à... A quoi, elle a dit quoi? Sois concret, y a pas les on dit, poté. Concret. En gros... Elle a dit quoi, à qui? Ben, je sais pas exactement à qui elle l'a dit, mais tout ce que je sais, c'est que les Moras ont fait marche arrière très vite pour je ne sais quelle raison. Et il y a Brahim, donc du coup, un très bon ami Jody, qui est venu me voir en me disant que, en gros, Jody a. Je téléphone avec Poté. A dit que, en gros, je l'avais pas lancé. Donc je sais pas pourquoi elle est arrivée à cette conclusion. Et il m'a dit quoi? Elle t'a dit quoi? Elle t'a dit? En gros, elle a dit à la personne que moi j'avais balancé des trucs. Elle a dit ça à qui? À Brahim. Et c'est qui ce mec? Brahim, c'est un proche de Léo aussi. Ok, elle a dit que toi, t'as balancé des trucs à Ochoa. Je sais, attends, deux secondes, je te rappelle. Parce qu'il va arriver là. Vas-y. Il va être avec moi. Vas-y. Reste. Ouais, reste au téléphone, attends. Vas-y. Je te mets dans ma poche. Vas-y. Il est où, Brahim, les gars? Brahim. C'est devenu ma pute alors que vous rappelez quand même ma braqué? Oui, attends. C'est ça ma gueule, on grimpe. Va attendre Mucus au VIP et viens me voir s'il te plaît, vite, ça urge. Il me parle de Prime. Toi, va là-bas. Oui, je sais. Va là-bas, là, au fond du couloir. Va au fond du couloir. Vas-y, viens, Brahim, s'il te plaît. Ouais, parfait. On va aller le voir. Et elle t'a dit quoi, Jody, par rapport à moi, là, quand elle a dit que j'avais balancé, je sais pas quoi, là? Elle t'a traité, en gros, que t'es... Elle parlait à Ochoa, elle a dit que t'es... Ah, putain. Que t'es un... Attends, fais attendre fraise dans l'escalier. Fais mes fraises dans l'escalier, s'il te plaît. Bref, elle a dit qu'en gros, toi, t'es un incapable, t'es pas sérieux, c'est tout pas ça, toi que je parle, c'est pas toi que je parle, le C. Ok. Le C, oui, hein. Donc, Brahim, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Jody, grosso modo? Parle le franc, hein, ce qu'elle t'a dit mot pour mot, hein, parce que c'est problématique là. Ça tue, merci mon frère. Mais parce que ça va nous griller, parce que si elle a pas la langue pendue, ça va nous griller. Vas-y, explique-moi. Ça va nous griller. Des mots concrets. Non, ouais, viens te coller à la bibliothèque là. Et chuchote. Mais c'est bon, elle t'entend pas. Vas-y, dépêche-toi. Ouais, que César l'avait kidnappé, ok. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu... Mais t'es trop con, toi, ou tu fais esprit? Mais c'est vraiment dinguerie, Brahim, d'être con comme ça. Mais en sécurité de quoi?
Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit, tu lui as parlé de qui? Juste de César qui m'avait kidnappé pour l'embrouille avec avec l'histoire de la dernière fois par rapport à nos lucs. Comment ça? Comment elle était au courant que c'était Ochoa qui m'avait kidnappé? Potentiellement accéder à ce poste, je vais avoir l'exemple de Léonard et son corps décédé. Oui, c'est bon. Ouais, bon, je dis au courant. Ok, comment? J'en sais rien de comment elle est au courant, mais elle est au courant. Que toi et le haut, tout est lié, quoi. Et que c'est vous qui m'avez kidnappé. Et du coup, je pense... Si, j'en ai rien à foutre. Elle est venue de baver ça, maintenant elle va assumer de baver elle aussi. Oui, en tout cas, mais... T'as vu, Jody, elle te prend pour un... T'as vu, un con? Oui, elle m'a pris pour une salope, oui, elle m'a pris pour une salope. Elle te prend toujours pour une salope. Et je vais l'attraper, elle aussi. Pourquoi? Vas-y, César, dis-moi ce qui a été dit. Bah, en gros, elle a dit que t'es pas sérieux, t'es une merde, elle te prenait pas au sérieux, tu pars partout, je sais pas quoi. Vraiment, comme si t'es un bouffon. Voilà. Ah ouais, je suis un bouffon, moi. Et par contre, je t'ai rien dit. Hein. Oh, oui, non, mais tranquille. Ok. Ça veut dire qu'elle, potentiellement, elle a parlé à Mora. On lui dit, Oui. C'est sûr. Okay. Moi, je vais te dire ce qui a été. Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas l'information, César. Mm. La chose étant que ce que je sais, c'est que Mora, là, j'ai eu au téléphone. Et en gros, là, alors, soit il a fait caca dans la culotte, soit je sais pas. Soit il a cette information-là de jeudi. C'est que, en gros, là, je les ai eus. Et les Mora, pour l'instant, ils souhaitent pas se mêler. En gros, il m'a dit mot pour mot, il va se reconcentrer sur ses boîtes de nuit, faire de la. Plata, profiter de sa plata et baiser des putes. Voilà en gros, le mot d'ordre. Il ment. Mais voilà. Attends, César, je te rappelle, il y a Narine Mucus qui est là. Ouais, je te rappelle. Vas-y. Bref. Fais un compte rendu. Ouais. En gros. Non, j'ai raccroché. Ok. En gros, Jody, elle est partie voir les Mora. Elle a tout raconté concernant Poté et nous, tout ça, tout ce qui s'est passé. Comment... Du coup. Non, mais comment elle le sait? Bah, elle l'a su parce que. Je sais pas, ça par contre, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, elle a raconté que nous, on l'a attrapé, etc. Ouais. Et les Mora, ils ont appelé Poté. Et ils lui ont dit, nous, on arrête tout, on se concentre sur les boîtes de nuit et faire de l'argent. Ah ouais, donc ils l'ont écarté. Ils ont écarté Poté. Soit ils l'ont écarté, soit clairement, ils veulent vraiment plus s'intéresser à une possible coalition. Ah non, je pense que non. Je pense qu'ils l'ont juste écarté, c'est certain. Non, c'est pas lui qui m'en a parlé à moi. Faudra qu'on voit que Santana s'il continue à faire des rendez-vous. Oui. Comme Santana est dans leur cercle. C'est ça. Pas bien. Ok, on fait ça. Hop. Et Narine Mucus, tu le veux toujours? J'ai peur. On l'a eu déjà. Ok, parfait. On l'a eu. Il nous a donné quelques informations. Moi, ce qu'il nous faut là, c'est Bubul. Parce que tu m'as dit que Bubul est là bavé, t'es sûr? Ah, certain, bah oui. Voilà, donc pour Bubul, Guadalupe, il n'y a que lui qui savait. Bubul, il meurt, clairement. Voilà, je vous le dis, je te le dis. Moi, on l'attrape, on l'a donné une chance. Et il nous faut Donnie aussi. Bah moi, j'ai envie de mettre Poté qui nous ramène Donnie, non? On va voir avec le patron, on va discuter de ça après. Ouais. Tranquille, ensemble, tu vois, histoire d'accorder nos violons. Alors okay. Ego, donc du coup, Poté, il a été certainement écarté de la coalition. Comment parce que, ça parce que Mora, il était au courant qu'il s'est fait choper. Potentiellement par jeudi, mais on n'est pas sûr de ça. En fait, au moment... Okay. En gros, c'est ce que Poté lui me dit. En gros, qu'au moment où on a... Bah, dès qu'on a eu jeudi, elle est partie directement baver. Les Mora, ils ont appelé Poté. Ils lui ont dit, nous, on arrête tout. On se concentre sur les boîtes de nuit. Ensuite, Bubul, lui, il a bavé. C'est sûr à certains, parce qu'hier... Ouais, mais il est mort. Ouais. Mora, il m'a convoqué. Il m'a dit pourquoi... Enfin, Guadalupe... Et elle m'a menacé, elle m'a dit pourquoi t'as balancé que j'étais avec Donnie à Ochoa, etc. Et bah ça, il y a que Bubul qui l'a vu, que j'ai dit. Mmh. Donc voilà. Là, donc ça fait Bubul. Ils sont cons, les morts, ils comprennent rien. Hein. Ils comprennent pas que comme il était dans le golf club avant, ils risquent pas grand chose. Bon, on fait quoi de ce connard là-bas? Oh, attends, faut continuer. Moi, je veux savoir avec Mikey et tout, j'en donne que la moitié. Vas-y, on vient, on le fait. Allez. Ouais. Terminer ça. Ouais, allô. Comment tu vas, Pogos? Ça va, trou du cul. Ça va, et toi? Ça va, tranquille. Alors,
T'as décidé d'ouvrir ta bouche à tout le monde, hein, au lieu non, de sauver jamais, ta vie. Jamais, je vais sauver la mienne, je vais sauver la mienne. Arrête de mentir. Ben pourquoi t'as tout balance alors? J'ai rien balance du tout. T'as tout balance. Ils font des suspicions tout seul de leur côté, tu veux que je te dise quoi, César? Arrête. Qu'est-ce que tu me racontes? Hier, Guadalupe m'a fait une crise parce que, soi-disant, j'ai balancé son couple. Y'a qui a entendu ça? Y'a que toi. Mais écoute-moi, César. Je te dis, c'est tous des fils de pute, ils ont tous peur de te claquer, je te jure, ils disent tout ça pour savoir ce qui se passe réellement. Putain, en plus, t'es Roman, je lui ai fait une promesse avant qu'il parte. Mais ouais, bah tiens là ta promesse, moi je vais tenir non, la mienne. Je vais pas la tenir. Non, mais la promesse, elle tient pas si tu balances. Mais j'ai pas balancé. Eh ben écoute, regarde, je te le dis pour toi. La vie de ma mère, que là, à cause de Guadalupe et tout ça, là, cette histoire, là, la procédure est lancée. Eh ben viens, la fume. Mais non, c'est toi, il t'attrape, t'es mort là. Mais c'est une histoire de temps. Donc accélère pour Denis, sinon tu vas mourir. Vas-y, y'a pas de soucis, je vais accélérer, je te jure. Là, je l'ai fait pour Roman, hein, je t'ai prévenu. Ok, mais... vas-y, merci, t'es un chef, César. Vas-y. Ah, j'ai vu, j'ai donné. Putain, je le rappelle pour qu'il se rende compte. Allô. Hé, hey, c'est vraiment... Putain. Allô. Allô. Je crois que tu comprends pas. T'as vu, là, il y a déjà une prime sur ta tête, c'est fini. À cause de Guadeloupe. Écoute-moi. Donc ça veut dire, fais-le avant. Mais c'est pour ça, fais-le avant, parce que si t'attrapes, tu pourras pas te défendre en disant « je vais le faire ». Ça, c'est trop tard. Ouais, ben, laissez-moi mettre un plan en place, il est toujours avec ses sbires, là. Ils se sont tous sur qui vivent, ces fils de pute. Mais là, t'as l'air de bien être avec eux, donc bon, vas-y, débrouille-toi. Vas-y, t'inquiète pas, je vais tout faire pour. Vas-y. Il va passer sur la chaise. Brrr. Est-ce qu'il a foutu aussi son gars? Il a tiré sur les forces de l'ordre. On monte dans les choses efficaces. Ah bah voilà, tout simplement. Faut pas se fatiguer des fois. Mon dieu, je t'en dis. Je crois qu'il va mourir, ce con. Hein. Je pense que celui-là, il va donner rendez-vous à Mikey. Il va mourir, ce con. Attends, approche le véhicule du Seigneur Fox. Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes de retour pour une nouvelle édition de notre journal télévisé. Je suis Arsène Washington. Et je suis Melton Wine. Nous vous apportons les dernières actualités de Los Santos ce soir. Nous débutons avec une nouvelle tragique concernant Owen Davis, le patron du pawn shop. Owen est mort en tentant d'aller au nord via le barrage de l'armée. C'est exact Arsène, c'est ce qu'on appelle un homme décédé. Owen Davis, qui avait perdu la mémoire, pensait encore habiter dans le nord. Ses amis et proches ont témoigné de ses nombreuses pertes de mémoire et de sa tendance à confondre le passé et le présent. Et d'ailleurs, Arsène, vous êtes qui? On est au JT, Melton, vous êtes présentateur et ne me parlez plus jamais du Nord. C'est allô. Et malheureusement, cette confusion l'a conduit. Si vous voulez. Eh ben, fais vite, parce que sinon c'est trop tard. Fais vite. Non, c'est vrai. Si vous voulez, je vais le faire. Dis-moi, c'est ça. Soit vous restez sur le rendez-vous, soit vous commencez à essayer de nous trouver Bubule. Bubule, je vais vraiment t'enculer. Tu crois que je suis con, quoi? Attends, je te rappelle. Attends. Oh là là, putain. Tu veux me voir pourquoi? Ben parce que j'ai besoin de munitions en fait. Ah. Mais de toute façon, il faut que tu le ramènes vivant. T'as pas besoin de munitions. Mais je vais éclater les deux têtes de citron de Guadalupe de son putain de frère André qui me casse les couilles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la mission. Ramène d'abord Denis. Oui, mais parce que Denis, il reste avec eux. Putain, t'as compris quoi, toi? Tu vois pourquoi ils t'ont kidnappé? Bubule, très bonne tentative là pour ce que tu tentes de faire, mais non, ça a échoué. Ramène Denis avant qu'on te tue. C'est quoi cette voiture de mafieux là? Arrête d'être parano. Quel en est de Bubule? Non, moi je suis pas parano, je te fais confiance, mais les autres. Je te jure qu'ils se les baissent, les autres, c'est tous des fils de pute. Ah, en tout cas, ils vont te tuer. Bubule, allez, fais vite parce que là c'est. Je te rappelle une fois que je l'ai, vas-y, à toi. Vas-y. En gros, je vous explique, j'ai dit à Bubule que là c'est trop tard, il va mourir. Sa seule solution, c'est de ramener Donnie avant qu'on lui tombe dessus.
Donc là, il est en train de stresser, il m'a rappelé, il m'a dit s'il te plaît, viens, on se voit, donne-moi des munitions, nanana. Il a confirmé avoir parlé ou pas? Il n'a pas confirmé, il dit que, en gros, c'est, ils font des déductions, je sais pas quoi. Ok, ouais, ça, moi, j'y crois pas, hein. Moi, je pense que. Moi aussi. Mais je pense qu'il peut ramener Donnie s'il s'en rend compte qu'en fait, bah, il va vraiment mourir. Ou soit il va nous baiser en nous tendant un guet-apens avec Donnie. C'est ce qu'ils vont faire. Là, il m'a dit, ok, je vais te ramener Donnie, je te rappelle. Voilà. Ils ont un C4 ou pas encore? Ouais, ils en ont un. Ah, faut faire attention qu'ils ne baissent pas, qu'ils viennent pas avec un truc explosif. Hein. Ouais. Okay, c'est banana, quoi, merci mon frère. Okay. Pour les 20 subs, merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère, merci mon frère, merci mon frère, on est ensemble, merci mon frère. Après moi j'ai une idée moi. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On envoie des... Tu vois par exemple Poté. Parce qu'il est grillé Poté. On l'envoie sur les... On n'a pas de nouvelles de Poté, non? César, qu'est-ce que tu sais, il a eu des nouvelles aujourd'hui? Si, qu'est-ce que tu peux nous dire de Malky? Qu'il a l'air d'avoir le bras long. Okay. Il m'a dit qu'il vendait des armes. Ah ok, c'est très bien. On va avoir rendez-vous avec lui là, ça va peut-être chauffer. Donc soyez vigilants. Ok, et quoi d'autre? Que c'est lui qui plaçait le juge? Ouais, ok. Ah ben ok, d'accord, on verra. Ok, et là ils vont arriver, on sait pas combien. Tu penses que tu peux manger le cerveau à Mikey ou pas, César? Bah je pense qu'il a confiance en moi, mais pas trop. Mais oui, je pense. Hein. Mais je dois faire quoi? Non, on va voir ce qu'il va dire là, tout de suite, là, au rendez-vous, et selon ce qu'il dit, on va voir si tu lui pisses dans le cerveau ou pas, en fait. Ok. Ok. Mais avec moi, il a toujours été bon. Okay. Bah oui, t'as vu ce qu'il t'a donné, oui, il est très bon. C'est vrai, t'aimes beaucoup. Ouais. T'as envie de pisser ou pas, au moins, César? De pisser? T'as envie de pisser ou pas? Non, pourquoi? Ça, tu bois de l'eau, si tu veux. Bois de l'eau, il doit pisser dans le cerveau. Ah oui, c'est vrai. Mais attends, papicha. J'ai une idée, moi, pour les SDF. Oui. Moi, je pense qu'on envoie Poté et son équipe, parce qu'ils sont, pas mal, leur casser les couilles pour essayer un peu de les diviser. Ça va leur mettre des bâtons dans les roues. Parce que là, ça se voit que les SDF, ils sont ensemble, ils sont en train de préparer un plan. C'est ce que tu lui dis à Poté. Tu lui dis, écoute, voilà, maintenant que t'es hors course, que t'as été mis à l'écart, il te reste plus qu'un camp à rejoindre, entre guillemets. Prépare un truc, ces hommes-là. Tout à l'heure, j'ai croisé une moto avec deux types. C'était limite cagoulé. Et je les ai suivis pour leur faire peur, ils paniquaient. Okay. Après, si Poté est isolé, ça va peut-être lui donner une idée de s'allier avec la SDF pour baiser autre chose. Je pense aussi, oui. Je sais pas si c'est le meilleur plan de mettre Poté. C'est vrai, aussi, c'est vrai, c'est pas con. On a la carte Jody, non? Ah, je me méfie de cette connasse, vraiment. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, je me méfie de cette connasse. Tu vois, il n'y a rien de pire qu'une chica, vraiment. Faire des affaires avec une chica, c'est dangereux. Ok. Je suis pas voyant déjà. Sinon, moi, j'appelle Poté, je lui dis, ouais, t'es dans la mer, cache-toi, ils vont te tuer. Tu sers à rien et tout, là, de ce qu'ils disent. Ouais, tu peux essayer. Et après, lui, il va paniquer, je lui dis, ok, bah, ta seule solution, c'est de nous rejoindre. Attends, on sait ce qu'on va faire, on va attendre, et ça tu vas le proposer après. On prend une décision de tous ensemble. Je peux pas me tirer là. On va faire un tour. Reste à proximité quand même si Mikey vient, il essaye de faire un truc bizarre. Il lui faut du quoi? Il lui faut quoi comme munition à bébule là? Du 9? Attends, je le rappelle. Eh, hey, c'est quoi comme munition qu'il te faut? 45. Ok. 45. Faut qu'on se mette les deux parts pour discuter là. On a du 45, pas 30, hein. 45. Pour qui du 45? En gros, bébé, il a besoin de munitions. Hein. On a pensé à envoyer un mec lui ramener ses munitions, voir comment ça se passait, quelle était la tension là-bas. Et nous, on reste pas trop loin au cas où. On envoie une personne, on s'en fout. Hein. Larbin, il ira là-bas, il lui ramène sa boîte, il regardera, il y a quoi. Non, tu déposes des... Bah, vas-y, toi, César. Ah non. Bah, tu m'as dit à Larbin. Ouais, mais enfin, si je meurs, c'est je fais comment? C'est vrai que t'es un Larbin utile.
Putain, il y en a pas un autre là, alors bah, faut trouver vraiment une merde. Ouais, j'ai trouvé une merde, un merdeux. Il va y aller, il le ramène et voilà. Ouais, ça me fait chier de lui filer des balles à ce trou de ballon. Je chier vraiment. Je vais se faire encouler. Je vais lui coller dans la tête les balles à ce trou du cul. Et pourquoi il a besoin de balles pour rattraper Donnie, c'est ça? C'est ça. Ouais. Non, mais ça sentait le coup foireux, mais il veut juste lui envoyer quelqu'un pour lui faire perdre son temps. Il veut prendre la température. Ouais, pour voir après, comme vous voulez après. Qu'on a l'arbre. T'as raison, t'as raison. Et je pensais aussi, qu'il faut. Là, je pense qu'il faut voir Poté, donner rendez-vous à Poté et l'envoyer sur les SDF. Pour qu'il laisse. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est... Parce que ça va les diviser, ils vont être perturbés, plusieurs ennemis. Vas-y, ben, on va appeler Poté. On va dire à Poté qu'il nous ramène Bubule et Joe de la Chilla, putain. C'est même Poté qui va donner les armes. Les non, bombes. Vraiment alors, pas, allô. Je vais t'envoyer une position là, on va te voir. J'ai un truc à faire urgent. Mais qui va pas mourir. Oui, mais ça peut attendre ou pas là. Y a pas plus urgent que ça. Je t'envoie la position, Poté. Ouais, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite, ça fait 20 minutes que je fais attendre quelqu'un là. Vas-y dans 20 minutes. Non, dans 10 minutes, un quart d'heure, c'est dans bon. Dans 10 minutes, vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. 10 minutes. Okay. Dans 10 minutes. Ouais, il doit préparer ses gars là. Au cas où il se fait casser les fesses. Ah, il m'a dit qu'il faisait attendre quelqu'un, il a un rendez-vous, je sais pas quoi. Je fais que ça a l'air mon âme. On va attendre 10 minutes, wesh. Quoi, porte de bande, tu vas attendre là? On a un an. Pendant 10 minutes. Ça va être long. Putain. 10 minutes, c'est sûr. Ça va être long, hein, 10 minutes. C'est long. On va où? On devait voir la folle. C'est qui la folle? Savage. Allez, on y va. On veut nous rencontrer. Jeudi? Ouais, jeudi. Ouais, il trouve un coin là, on va le rencontrer. Ouais, mercredi. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien. On peut l'acheter derrière là. Au cas où. Il y a déjà la bentier. Allez, on lui envoie, de toute façon, on est calibré comme un fer. Ouais, oui. Il va faire cette folle, elle va nous envoyer Mora. C'est hors de vous pour chercher la chasse. Mais vous comprenez pas qu'ils nous chassent, on les chasse là, on est en chasse là, les gars. À tout moment, ça part en couille. Je crois que vous comprenez pas là. Qui nous attend et pas le contraire. Je trouve que c'est plus important que ça soit elle qui attend. Non, mais Fox il répond pas là. Et ça vient de qui? Il me dit qu'il doit aller au gouvernement en urgence. Ok. Ramène-toi, c'est annulé. Steve, attendez, peut-être que Poté a fini, non? On va voir avec Poté, oui. Ah mais là on a donné une position, ouais bref. Ah on va changer de position. Allô, c'est fini? Toujours. Non j'ai pas fini, j'en ai pour 5 minutes même pas. 5 minutes? Bah fais vite. Ouais. Mais elle roule plus. Attention, elle dira dans 10 minutes. On change de position, elle a une urgence soi-disant. Ouais mais là il a... Vaut mieux vaguer, faire autre chose quoi. Ouais on va bouger, Ah mais... Au courant un peu sur les dossiers qu'ils soient... C'est où? C'est en bas ton point là? En bas, si, si. Il a raison, mettez-moi au courant. De quoi? De quel dossier? Ah là, attends. Ah, ok, là. Attends. Voilà. Prends un angle bien sur l'ouverture. Voilà, parfait. Comme ça, on a un contrôle sur la pente, les escaliers. Le véhicule en travers. On a bien rigolé, aussi. Prenez bien les angles, gars. Ouais, t'inquiète. C'est Chinga, rappelez-vous. C'est avec qui là? Rappelez-vous que c'est Joe Puta Gordon, il leur a vendu des armes, il a vendu qu'un chargeur. Un seul chargeur? C'est la pire pose. On aurait dû se mettre là-bas, wesh. Attends, je vais mettre la voiture arrière, patron. C'était quoi les dossiers que je devais dire à César? Ça, les dossiers, y'a quoi que t'es pas au courant? Non, je sais pas, moi j'ai dit... par rapport au SDF. Mais quoi? L'SDF, on va tuer Boubou, ça suffit, c'est bon, non? Donnie, on va essayer de l'attraper. Pour l'instant, je mets pas la pression. Je vais me le faire ramener. Donc, il y a la position à ce trou du cul. T'es au courant un peu pour Donnie. Voilà. On voit la position, César.
Ouais, ancien membre, mais ouais, cool, c'est bon. Je sais pas quoi. Bah voilà, c'est bon. Et que... On sait qu'il prépare des trucs, c'est oublié, c'est obligatoire qu'il prépare quelque chose depuis un petit moment. On enquête dessus. On fait attention à ce qu'il fait, à ce qu'il se dit là-bas. Qu'est-ce qu'il en sort? On a deux, trois têtes qui sont là-bas. Mais je veux pas leur faire des missions trop risquées non plus. Information avant tout. Là, c'est qui arrive? Tu l'as envoyé la position à poter ou pas? Toi, tu l'as envoyé la position à poter, bordel, on te dit tout à l'heure. Ah ouais, pardon. Ah ouais, sois attentif. Et les gars, s'ils viennent en découdre, j'annonce, c'est lui ou Rodi? Il est parti en haut, checker. Attends, il faut que Rodi l'entende, comme ça c'est officiel. Je t'ai envoyé la pause. Ouais, je vais arriver. Fais vite. J'arrive. Rodi s'est déjà mis en position, il veut que les allumer. Rodi s'est créé aux Philippines. Dans cette dictature des îles. Bon, j'annonce. Oui, je m'avise. C'est pour en découdre. S'ils viennent pour en découdre. Pour chaque homme tombé, il y a une prime de $500. 500, ça vient du tout. Allez, c'est bon, ok, je monte à 1000, ok. 1000. C'est passé. Vous vous foutez de moi encore, je vous l'achetez 1500. 3500, ouais. On va te faire foutre. Allez, 1350. C'est bon, ça va. 1350, j'irai pas plus loin. Putain, mais c'est de la sous-traitance. 1350 fois 6 x 6, ça peut faire. Si on compte, si on compte les intérêts, la vérité, en heure de nuit, on est bientôt arrivé. J'ai rien à foutre, de toute façon, la prime, je la compte la prendre okay. Moi. Donc, en plus, c'est week-end, là, c'est double, on double, c'est week-end. Oui. On va devoir aller tous les chercher par la peau du cul, ils veulent pas venir. Là. Attendez, je le rappelle. Bah là, vraiment, c'est amusé, là. De chier dessus comme allô. J'arrive César, j'arrive. Fais vite. Oui, j'arrive à la Combien de temps? Combien de temps? 2 minutes là. 2 minutes, j'ai dit. Par contre, j'ai appelé Guadalupe comme ça pour rien, elle panique, elle m'a dit oui, tu fais quoi, t'es où, nanana. Ah bon? Ouais, j'ai senti vraiment... Elle pensait que je l'ai appelée en FaceTime parce que je voulais savoir où est-ce qu'elle était pour l'attraper. Ok, ouais. Ah oui, d'accord, j'ai compris, oui. Du coup, ben comme si t'avais regardé, oui, d'accord, ok. Parce qu'en fait, non, mais parce qu'elle m'a vu masqué, c'est pour ça. Ouais. Putain, je te jure. Moi, je voulais juste pas qu'elle voit ma gueule, c'est tout. Elle a dit quoi, poté? Elle a dit 2 minutes. Ah, mais s'il est pas là dans 8 minutes, je prends le cul. 8 minutes, non, 2 minutes, il est pas là, je pars. Ouais, bah on va finir par aller tous les chercher, ces enculés. Ah, après, on va appeler sa veille, là, c'est des sorties du truc, là. Appelle le gouverneur pour savoir pourquoi elle a été convoquée, du coup. C'est qui, lui? Ah, c'est... Ça part. Un peu d'eau, les bigs. KPR, merci. Je te jure, j'ai l'impression qu'on est la mort. Merci à tous les frères qui se sub. Ah ouais. Mais elle va nous arriver un jour. Ouais, ça c'est sûr. Mais moi je pense en dernier, moi. Bah, tu crois? Oui. J'espère. Pourquoi? C'est toi qui vas tous nous buter, c'est ça? Ah non, jamais. Miraclès, merci. Moi mon rêve c'est de... De quoi? De tuer Carter. Non, Canelo. Ah ouais, pourquoi il t'en fait quoi? Je sais pas, je l'aime pas. Ah ouais. C'est le mec qui nous parle. Ah, il m'appelle. Voilà, allô? Ouais, il y a un problème. Tu m'as envoyé un GPS, enfin un garage. C'est en dessous, espèce d'abruti d'incapable. Non mais tais-toi, j'y suis pour quoi moi? Je connais la descends, ville par cœur. Descends. J'arrive. Il est fort en leadership. Ouais. Tu sais comment parler à des hommes, c'est bien. Pas enfin, des omelettes. Je me venge. C'est un homme, c'est une omelette. Ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est des mouvements bizarres, ça. On s'arrête là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un truc, attends. Je crois qu'il sort un roquette. Imaginez, il sort un roquette et pfff. Qu'est-ce qu'il fait?
Il a posé ses affaires. Qu'est-ce que t'as posé dans ta voiture? De quoi? Mais j'avais des armes, des trucs comme ça là sur moi. Je vous mens pas, c'est rien de vous mentir. Avance, avance. On va dire que j'ai licencié. C'est bon, on reste là. On s'en fout. Tranquille. Oh, c'est un peu la merde, seigneur. Je vous mens pas. Tu es abandonné de tout quoi? Ouais. Ça commence un petit peu. Si, allô? Oui, reste en position. Merci. Oui, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tu es abandonné? Tu es orphelin? Il semblerait qu'il y ait quelques personnes qui ont parlé de la relation, du moins que je sois sorti vivant de la base militaire. Je sais pas comment les informations ont fuité, mais elles ont fuité. Tu vois, côté, on te le disait, ton entourage n'est pas fier. Non, ça vient pas de mon entourage, ça vient de Jody Savage apparemment. Pas ton entourage? Non. C'est pas mon entourage à moi, c'était l'entourage de Léo. Mais il me reste encore une carte à jouer, là. Enfin, j'ai envie de te dire, est-ce que t'es prêt à forcer maintenant qu'ils savent que t'es venu au rendez-vous avec moi? De quoi? Qui c'est que je suis venu au rendez-vous avec vous? Ah, tu peux me le dire, t'as été abandonné par qui au-dessus de toi? Au-dessus de moi? Oui, qui ne veut plus que tu viennes à la table? Mora. Oui. Bah, enfin, il m'a pas dit ça. Grosso merdo, ce qu'ils m'ont dit, c'est que voilà, pour l'instant, ils comptaient pas se mouiller. Parce que je pense qu'ils ont été au courant de certaines choses. Mais pour l'instant, il n'y a rien de... À mon avis, ils ne savent pas. Parce qu'il y a d'autres business qui ne sont pas morts avec eux. Donc à mon avis, ils ne savent pas tout. Ils ont eu entendu des rumeurs. Si, muchas gracias. Ils ne savent pas encore déceler le vrai du faux. Il y a des rumeurs qui tournent et le problème, c'est que... Vraiment, ce serait Jody qui ferait courir la plus grosse rumeur. Et de ce que j'ai compris... Vous avez attrapé Jody il y a quelque temps, après moi. Oui, on l'a attrapé, c'est un grand mot, seigneur. On a juste demandé de venir à un rendez-vous. Ok. J'ai des trucs par téléphone, les gars. Vous savez ce qu'il doit faire comme boulot. Hein? Oui, on sait. Ouais. Du coup, Poté, j'espère que t'as bien récolté un peu des informations, parce que les gars, ils ont faim. T'as bien raclé les bords. Écoute. Mais ferme ta gueule, en fait. Là, de ce que j'ai compris, Jody... Écoutez, oui, mais seigneur Ochoa. Oui, viens... oui, écoutez, seigneur Ochoa. Si, gracias. Pardon. Oui, ok, très bien. Les amis de la maternelle. Les Moras ont pris des distances. Je vais vous donner une information qui, pour le coup, va vous intéresser. Et je pense que c'est pas que par rapport à moi, Seigneur Papicha, qu'ils veulent s'éloigner. Il y a quelque chose qui tourne en ville par rapport au Santana aussi. Disons que y a une rumeur qui court comme quoi les Santana sont pas de grande confiance, en fait. Ouais, toi t'es de confiance toi-même, est-ce que toi t'es de confiance? Moi aujourd'hui je ne suis plus quelqu'un de confiance, mais voilà. Ça tout le monde n'est pas censé être au courant. Est-ce que Hector Mora c'est quelqu'un de confiance à part pour les gens de sa famille? Ça va trop vite, hein. Voilà, mais non, moi je te le dis, c'est des affirmations, mais je te pose des questions, mais c'est des vraies affirmations, quoi, toi. Disons qu'il y a le bruit qui court comme quoi les Santana marcheraient soit avec vous, soit pour vous, j'en sais rien. Ou dans votre intérêt. Incroyable, incroyable, les rumeurs dans cette putain de ville, vraiment. Bref, on va parler d'autre chose là, parce que ça, on va se peaufiner sur ce sujet, c'est intéressant ce que tu viens de nous dire. Ok. Dis-moi, maintenant que tu as été un peu... Quand tu dis que tu as du business encore avec possible avec, c'est quoi? C'est des choses. Je pense que les armes, c'est pas mort, vu que je l'ai appelé tout à l'heure et je lui ai demandé okay. Pour. Ouais. Ta relation avec les gens des égouts, c'est quoi? Ben justement, je dois les voir là. Tu dois aller voir qui? Leur chef là, qui s'est fait appeler le. Attendez, excusez-moi, je peux prendre cet appel ou pas, monsieur? Oui, vas-y.
Tiens, allô. Je suis occupé là. Ah ouais, ouais, non, mais... Le... Ouais, ouais, non, mais le mec... Mais enfin, ça devait se faire comme ça, mais en gros, vas-y, t'inquiète, je vais t'expliquer. Tego, c'est pas écoute... plus mal. Écoute ça, Tego. C'est pas plus mal. Yeah. Attends, ça. Écoute. C'est pas plus mal. Ouais, je te rappelle, je te rappelle. Je demandais la relation qu'avait Seigneur Poté avec les gens des égouts. Il me disait qu'il avait rendez-vous avec qui? Avec le roi des rats. Et son bras droit, enfin, et toute la clique, quoi. Ok, c'est très bien. Parce qu'ils ont eu écho que... Ils ont eu écho que... Ben, eux, ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'informations, les gars. C'est là-bas qu'il faut gratter. Et c'est pour ça que, étant donné que Mora, j'ai bien compris qu'il avait fait marche arrière et retraite, donc du coup, je sais pas si c'est par rapport à moi ou si c'est par rapport à Santana. On va dire que là, la coalition n'est plus. Mais par contre, eux, ils créent quelque chose qui s'appelle la résistance. Est-ce que donc ça c'est... serait pas le moment que, étant donné que tu peux pas mettre tes oreilles à la table de Mora, que tu mettes tes oreilles plutôt dans ce, ben, c'est dans ce truc que... Ben, c'est ce qu'il était dans ma tête, Seigneur Papicha. Est-ce que t'as bien? Ok, qu'est-ce que t'en penses, Thébo? Il veut faire quoi? Il a, réunion, il a la réunion avec le roi des rats, Donny, et un bras droit, je sais pas qui. Sûrement, sûrement, le bras droit, c'est sûrement la personne qu'on parlait juste avant. Je connais son nom, Seigneur Sid. C'est qui? Dites-nous, comme ça, moi, tu confirmes. Daryl. Ouais. Patron. Okay. J'ai pas du tout ça. Ouais. Je peux vous parler d'Asgard? Si. Ok, attends, on va voir ce qui se... Le problème, Seigneur Papicha, c'est que... Vous voyez ce que j'ai dit la dernière fois et que vous m'avez tous rayonné et que... Non, non, mais c'est pas qu'il... ça qui m'intéresse, c'est pas ça. Non, moi, mais je veux savoir. Non, non, mais non, pas par rapport à l'Apocalypse. Ah. Je parle par rapport à Jody. Oui. Je pense que si vous voulez me faire travailler, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous me laissez travailler en solo. Parce que sinon, en fait, ça grille des cartes de fou. Parce que moi, ça t'appelle travailler en solo, je t'écoute. Mais non, mais en fait, là, quand vous avez, je sais pas ce qui s'est dit quand vous avez attrapé Jody. Mais Jody en a tiré des conclusions. Comme j'ai dit, j'en ai parlé avec César au téléphone, mais Jody, elle a compris des choses, soit vous lui avez dit des choses, soit je sais pas. Écoute, je sais rien que je suis ne dans... s'est dit te concernant, clairement. Ok. Voilà, comme ça tu sais, rien ne s'est dit donc. Ben, c'est possible que ton entourage ait dit que tu t'es fait choper. Parce que tu as passé un appel au soir quand tu t'es fait attraper. Oui, mais en fait, le truc c'est qu'on a réglé ça de manière assez intelligente avec César. C'est que. Allez, en gros, ferme là. On a un ami ton plan n'a pas marché, poté. Oui, mais personne n'y croit, parce que tes hommes ont dû parler. Il y a des sujets, hein, poté. Je pense que tes hommes, malheureusement, ils communiquent un peu trop, en fait, je pense. Parce que ça sort pas de nous. Et tu t'es fait attraper par nous, clairement. Merde, oui. Et donc, du coup, ça doit sortir de ton entourage. Donc, on revoit un peu la façon. Non, mais de toute façon, j'ai revu, pour être honnête avec vous, Papicha, j'ai revu tous mes hommes parce qu'ils sont fidèles. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas malins, ils comprennent pas beaucoup de choses. Je vais travailler en solo maintenant. Waouh. Et je vais employer des gens. Ça fait beaucoup d'excuses, tu sais. Là, tu nous apportes rien, on n'y gagne rien. Ça fait beaucoup d'excuses. Ouais, c'est même pas ce qui me retient de te. Je trouve qu'une personne qui veut. Ouais. Je reviens. J'ai apporté quand même beaucoup d'informations. Le fait que les Santana. Enfin, après, je sais pas moi. Mais on a besoin d'une chanteuse, poté. Vous avez besoin de quoi? D'un homme efficace. Écoutez, je vous ai apporté des informations. Maintenant, t'es une petite chanteuse, tu vois, t'es sur ta scène. T'as ton micro dans la main. On sait pas si tu chantes dedans ou si t'es en train de le sucer, mais en tout cas, t'es en train de faire quelque chose. Moi, ce que je veux, moi, poté, c'est que pour l'instant, je pense que ce qui va t'être dit, ça va être de te rapprocher au maximum d'eux. Je pense que tu l'as bien compris. Mais oui, les égaux. Maintenant, sur ce rendez-vous, c'était quoi qui... Il y avait bien un sujet, non? Quelque chose? Une raison de ce rendez-vous? Juste discuter, Non, ils savent qui je suis. Je pense qu'ils savent justement ce que j'ai fait. Et ils savent que j'étais proche de Léo et que je sais beaucoup de choses. Ils m'ont parlé un petit peu de Grey, ils m'ont parlé de vous aussi. Ils ont voulu savoir prendre la température par rapport à où je me situais vis-à-vis de vous. Je leur ai dit que ils étaient au courant pour le fait que... Eux, ils étaient au courant le fait que j'ai été kidnappé. Je leur ai dit, ils m'ont passé à tabac. Je suis pas... Enfin, en gros, que des hommes que je connaissais pas m'ont passé à tabac parce que je m'intéressais trop près à la mort de Léo.
Et du coup, je lui ai dit que je m'étais un petit peu exilé au Mexique quelques temps. Et que là, je venais de rentrer. Yalo, le truc que tu m'as dit de faire, là, je suis avec des amis, ça dérange pas, on est d'accord. Non, mais c'est mort, et en plus, ça dérangeait. Mais j'ai un autre truc pour toi. Essaye de trouver où est-ce qu'ils sont les SDF, etc. T'as leur position. Espèce de petit tas de graisse, là. T'es con, quoi. Leur position exacte, où est-ce qu'ils sont, ouais, c'est... Ah, vas-y, vas-y. Ok. Très, très bien payé, très, très bien payé. Vas-y, ça marche. Par contre, tu baves, tu sais ce qui t'arrive. T'es le seul sur qui... Ok, vas-y, vas-y. Vas-y, à plus. Oui, vraiment. Ok, on verra plus tard. Mais je pense que si c'est pour aller voir le grand chef, entre guillemets, peut-être qu'il va me donner rendez-vous dans les égouts, mais j'en suis pas sûr. Je peux pas te l'affirmer, en fait. Non, mais va à ton rendez-vous, écoute ce qui se dit, pose les bonnes questions et ramène-nous des informations. Ok. Ça va pour toi ? Ça va. Dernière chose. Si ? Par rapport au Santana, le bruit court, il commence à courir vite. Ok, mais quand tu me dis qu'il court, j'ai besoin de poter contre. Ok, c'est important. Ok. C'est les mecs des égouts qui ont dit ça. Et je crois qu'ils l'ont dit à Mora aussi. Je sais pas. Et c'est pour ça que je dois les voir. Voilà, tu vas les voir et ce genre d'informations, tu nous les ramènes. C'est important qu'on sache qui dit quoi et quand et comment. Alors, tu comprends? Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Ça détermine après, derrière leur devenir, clairement. Le problème, comme je vous dis, c'est que, en fait, si. Il y a du monde qui sait qu'on se voit, s'il y a du monde qui parle, etc. Je ne peux rien faire, Papicha. Et autant que je prenne mon arme et que je me tire dans la tête tout de suite. Écoute. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, Jote. Je vais te le dire clairement. Pour l'instant, t'es un abandonné de tous. Travaille bien. Peut-être que l'aile du grand faucon qu'on représente te couvrira. Ok. Tu comprends ce que ça veut dire? Je comprends. Donc ça veut dire que si tu voulais une affaire à l'envers, là dans le colo, si tu travailles bien, on va dire que tu seras protégé pour l'hiver. J'ai entendu parler d'une histoire d'hiver là et de bunker, de je sais pas quoi. C'est quoi cette merde? C'est quoi? J'en ai rien à foutre. Moi, je mets juste un manteau et un bonnet pendant l'hiver. Non, mais là, j'ai Narine Mucus qui est venue me voir en panique en me disant poté, il faut qu'on se mette dans un bunker. Est-ce que tu me vois dans un bunker si j'étais au courant de cette affaire? Non, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Bien, moi, je m'en fiche. Ces affaires là, de Narin Mucus et tout ce qui sort de son nez vert, là j'en ai rien à foutre. Ok. C'est qu'un connard. Je te le dis, c'est un connard qui fait croire des choses à tout le monde. Ok. Après, arrête de croire. Moi j'ai des plans, des love bunkers. C'est des bunkers avec jacuzzi, etc. Si tu veux, je loue ça. Vas-y, ben nickel, faudra que tu m'envoies l'adresse. Ok, c'est bon, pote, t'as compris la dernière phrase que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, j'ai compris. Voilà. Ok. Ça va, bon. On en a fini du coup, poté. Bon résultat, poté, oublie pas ça. Oui, je vais faire ça. Et vite. Tranquille. Poté. Donne-moi ton chapeau. Non. Pourquoi? Parce que c'est mon chapeau. Mais là, je te le prends de force. César. Oui. Ne dépasse pas des limites. Parce que sinon, je préférerais. Tu vois, déjà, je suis un rata. Je le sais. Mais c'est pour des plus grands projets. Au moins donne-lui l'adresse où tu l'as acheté. Mais non. Ben je l'ai acheté au Darnell. Ne dépasse pas des limites parce que s'il faut mourir, je meurs. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à foutre. Je pense que la dernière fois, j'étais pas prêt. C'était pas mon heure et j'avais encore des choses à faire. J'ai accepté de parler parce que ces gens en face ne m'ont jamais rien apporté. Hormis Léo, personne ne m'a jamais rien apporté dans la Ciudad. Donc c'est pas des personnes à qui... Tu m'as saoulé. Allô. Non mais c'est combien un prix bien payé pour toi? T'inquiète pas, ça sera bien payé. Non, parle en chiffres. 50 000. 50 000? Ouais. Au revoir, César. Vas-y. Je rigole, poté. Poté, je rigole. À bientôt, messieurs. Hasta luego, c'est bien. Allez, on y va. À bientôt. Bon. Je l'aurais bien... c'est 4 dans le véhicule, là, et c'est fini. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Deux équipes, je crois qu'il y a une équipe qui va se mettre sur Bubule et Donnie, tous les tralala, on sait jamais, ou Daryl. Et une autre qui va rester avec le patron. Comme tu veux. Bon. Vas-y. Une équipe tardive et une équipe tôt, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Wesh. Eh ben, allez, on se tient au courant. Attends, vous avec Roddy. Si il veut pas être Roddy, tu es de l'équipe tardive ou pas? Attends, Mirax. T'es de l'équipe tardive, toi? Non, c'est l'équipe tardive. Ok.
Moi ça va être pareil. C'est bon, t'es dessus. Mais non, mais 50 000, c'est pas assez. Mais pour une position, fils de chien, c'est pas assez. Ah, c'est pour moi. Juste une position, vas-y. Tu me dis où est-ce qu'ils sont, en gros, tu les suis de loin. Vas-y, je vais faire ça. Vas-y. C'est combien? Vas-y, c'est bon. C'est combien? Je me venge, désolé. T'as un vrai petit enculé. Cette position là, ça, cette position, c'est, écoute bien, il y a tous les gens des égouts qui sont en bas d'une plaque d'égout de cette position, leur véhicule il est en haut. Ça veut dire que là ils vont aller au rendez-vous de poté, ils vont tous sortir de la plaque d'égout et ils vont aller dans le véhicule. Est-ce qu'on les suit ou est-ce qu'on regarde ça de loin, ou est-ce qu'on met le T4 à César dans le véhicule et on règle le problème des égouts en 2 secondes, quoi. Ou on les attend au-dessus de la bouche des ouf, tout simplement. Aussi. T'es chaud, César? Oui. Mais à 3, par contre, ils sont plus. Hein. Ah, mais ils sont 8. Sache que là, j'ai les posé toutes les informations, ils sont 8. Ils sont 8 en bas de cette plaque d'égo. Top, tout ça. Et c'est leur véhicule? Tu veux pas qu'on... C'est ici, là, il y a leur véhicule, il est à côté. Mais tu veux pas qu'on parte chercher un C4? On les fait exploser. C'est sûr que... Moi, je suis partisan de cette méthode. Oui, on les appelle en FaceTime, on les dit regarde. Et prou. Et prou. Refais l'explosion avec ta bouche. Prou. Parce qu'après, il y a des secondes d'explosion. C'est vrai, il y a la seconde, il y a les pneus aussi. Il s'explose. Tu la vois, tu l'avais. C'est la blanche. Ouais, je crois. Je la vois bien, la blanche. Mais c'est sûr, c'est leur véhicule, ils roulent avec ça. Je sais pas, faut vérifier. Faites attention, les gars, il y a huit fusils d'assaut là en face de nous. Je vous ferai bien. Fusils d'assaut ? On va se faire trouver de part en part. Bien sûr, c'est la... 8 fusils d'assaut. Ah oui. On m'a prévenu qu'ils avaient 8 calaches là en face de nous là. Mais comment ça se fait 8. Je sais pas. C'est ce qui m'intéresse. Et je sache qu'ils vont aller voir ils vont en rendez-vous avec Poté. En fait, on peut rien leur faire. Oui, bah non, si, bien sûr. Ben que si, mais c'est compliqué, quoi. Mais non, j'appelle l'armée. Nous, on est de service secret, nous, on n'est pas là pour faire des... Putain, c'est quoi ça? On n'est pas là pour faire des fusillades. Après, même si on en a déjà fait, bien sûr. Mais c'est un dernier... Pour moi, c'est la voiture à gré, celle-là. C'est la blanche? Ouais. C'est qui court derrière? Vous l'avez vu? Regarde. Là, il est à droite. Monte, c'est la merde, monte. Écoute-moi, gamin. C'est un merdeux. T'es un merdeux, gamin. Je veux salir mon âme. Et ça, c'est même pas un secret. Je fais beau. T'es un con. En tout cas, c'était super tentant, mais le patron il veut pas y aller de face parce qu'il sait que c'est des tueurs sanguinaires et que ça va finir en bain de sang. Ah, ça c'est clair, hein, faut les attraper par surprise. Ouais, c'est ça. Ou pendant peut-être. Non, c'est trop. La première personne que j'ai envoyée là pour prendre la température, il s'est fait menotter et emmener dans les égouts. Ah non, là ils sont vigilance max. Ouais, c'est ça le truc. Wesh, mon frère, Zappy, y'a quoi? En fait, il vient sur moi parce que le néon il est éteint. Tiens, frère. Régale-toi. Régale-toi en lumière. Ça va, ouais, là encore. Est-ce que tu pensais que c'est elle qui a parlé? Certain, moi, je suis certain.
Parce qu'elle est contente. Mais toi, tu l'aimes pas, toi. Non, mais parce qu'elle est... En fait, elle veut être racontée. Elle est... Pour moi, c'est... T'as vu ? Ouais. Ouais. Tu veux pas t'arrêter quelque part, je charge mon arme. Ouais. Parce que elle est, c'est une révolutionnaire dans l'arme. Tu tombes trop autour. Comment tu tombes ? Mais repasse quand même pour... De toute façon, il nous a vus, donc il va se méfier de quelque chose après. En tout cas, je pense qu'ils entendent les voitures. Les voitures passées. Là où ils sont. Mais t'as raison, c'est une révolutionnaire. Ouais, elle cherche tous les trucs, les informations, tout. Ouais, elle est plus vicieuse que lui en plus. Elle est plus vicieuse que Ethan. Ethan, il nous a dit directement qu'il était du FLN. Je dis non. Ethan, c'est Carter. Exactement. Son vrai prénom, c'est Ethan White. Membre du FLN. Terroriste en herbe. De père en fils. De fils en père. Viens, on dégage d'ici, c'est bon. Allez, ça va, j'attends encore. Où les autres ? Faut les contacter. Je pense qu'à l'unicorn, il y a de l'information. Allons à l'unicorn alors. On va voir s'il a de l'inspiration, le César. Qu'est-ce qui te fait dire que l'unicorn y a de l'information ? C'est parce qu'il y a la plaque d'égout à côté ? Exactement. Mais il y a la même plaque d'égout ici, c'est pour ça que je t'ai amené ici. Mais c'est là où ils sont. Ils vont sortir là où il y a du monde, pour être plus discret. T'as peut-être pas tort. Attends, je vais quand même demander à mon contact, c'était quoi leur véhicule. C'est quoi leur véhicule qui était dehors? Voiture blanche, ouais, je vois. Ouais, c'était une voiture blanche, c'était bien la voiture blanche qui était dehors. Le conducteur, il me fait peur, parce que... Comment il a tourné à droite par la l'unicorne. C'est pas la même, plutôt. J'ai les clés, on peut rentrer par derrière, hein, l'unicorn. Ça a l'air... T'es sûr que c'était la voiture Ezra Putain, ça a l'air fou, l'unicorn. Ouais, pas plus cher. Non, en tout cas, il a le même modèle, même couleur. Ouais, y'a rien. Non, je crois qu'on me dit que c'est rien du tout. On est vers l'unicorn. Zeto. Ben nous on est allé vers l'unicorn. Ouais, ça va. C'est qui lui ? C'est pas lui là avec la veste ? Michael. C'est pas lui ? Quel est la qui rentre, celui qui... Quelle veste ? La veste marron là, à l'entrée. Va voir. Attends, je vais voir. Non, qui va voir ? Laquelle ? J'ai cru que j'allais... T'as besoin de télé maintenant ? Bah... En gros, ce sera de la merde. Ouais. Tu peux faire un tour à l'intérieur. Ouais, c'est lui. C'est lui, monsieur.
C'est lui, on fait qu'on le tape. Tape, ah, c'est lui. Excusez-moi, vous allez venir avec nous. Tu vas venir avec nous. Ouais. Suis-moi et fais vite. Monte dans la voiture. T'as quoi sur toi? Pas grand chose. J'ai une bouteille d'alcool sans bière et une tequila. C'est pas lui? Et un hamburger. C'est un faux, non? Depuis longtemps. Mais en d'accord. Gros, il est grave bien fait. Chavez, voilà Chavez. J'ai pas grand chose à vous donner. Ah bon? Ah oui? T'as même pas des papiers sur toi? Ah non, pas du tout. Ah bon, t'as aucun papier? Ah, j'ai strictement rien. D'accord. Merci Balkim. C'est simplement pour vous dire, vous m'avez proposé un travail. Ah bon? Oui, il y a une femme qui m'appelait, elle m'a dit j'ai du travail peut-être pour vous. Mais c'est bien lui, hein, je le reconnais formellement. Moi aussi, hein, je suis certain, moi c'est, aussi. C'est... Comment ça? Il nous prend pour des cons. Ouais, vraiment. t'es pas mal. Mais je vous connais pas, monsieur, je vous ai jamais vu. Pose ton téléphone dans la poche. La queue de cheval. Je le pose. Appelez les autres, là. Non, mais mon Dieu, monsieur, je suis pas Donnie, mais confondez pas avec lui. J'en ai marre, chaque fois me confond avec Donnie, je m'appelle Ricky. Oui. Je vous jure, je m'appelle Ricky. T'es vraiment un malade mental, t'es mais, un vrai malade. Si vous voulez, je peux vous donner mon numéro. Trouve une position, j'envoie la pose aux autres. Il me demande. Bon, pour moi, j'ai Donnie entre les mains, vous êtes... mais c'est Ricky à ce qui paraît. Mais viens, je m'appelle Ricky, mon Dieu. Tu vas voir, Ricky, tu vas voir. Donnie, c'est vrai qu'il a la même veste que moi, mais... La même veste, la même voix, la même tête, la même odeur. Mais non. Ouais, tu poules comme lui, c'est la même odeur de lui. Mais mon Dieu, messieurs, je m'appelle pas Donnie. Oui. Allô. Allez, ok, vas-y. Oh, bon, on est avec nous déjà, t'inquiète pas. Ah, du coup, dites-moi, Donnie vous a fait quoi? Donnie, arrête. Hâte de jouer au con. Mais je vous assure, je m'appelle pas Donnie. C'est pour ça que je demande qu'est-ce qu'il vous a fait. Il est où, Bubule? C'est pas lui, les gars. Du clochard avec des couettes afro-américains. Ouais, c'est ça. Ouais, il m'a braqué tout à l'heure, je l'ai vu, mais je le connais pas du tout. Enfin, si, je le connais. Il t'a braqué, t'as dit quoi? Bah, il m'a dit non, c'est monsieur, c'est un ancien juge, je lui ai laissé le. Prends tout un ancien juge. Oui, mais je vous ai dit, je m'appelle pas Donnie. Et je m'appelle vraiment Ricky. Si vous prenez mon téléphone, vous regardez des SMS, vous verrez, y a pas grand chose. Bah, attends, j'appelle Donnie, attends. J'appelle Donnie, ouais. Il décroche pas, comme par hasard. Mais je vous assure que je m'appelle... Mon Dieu. Mais du coup, dites-moi, qu'est-ce qu'il vous a fait? Moi, je sais qu'est-ce qu'il vous a fait. Il vous a menti. Ah, il vous a menti sur quoi? Sur toute la ligne. Alors, on va savoir vite si c'est toi ou pas. Attends. Allez, rassurez-moi. Moi, je veux pas de soucis, est-ce que tu peux te renseigner auprès de Bubule, etc., etc., tu dis que tu sais où il est, Donnie. T'étais avec Donnie quand, il y a 2 secondes? Mais quand? Mais je parle pas de ça, je parle de là maintenant, là. Ah, essaye de voir un contact avec quelqu'un des égaux et tu dis que tu sais où il est, Donnie. Dis ça et dis-moi leur réaction. On va vite savoir si c'est toi, mon ami, hein, donc te... Je te conseille de nous le dire tout de suite, parce que si je sais de moi-même, là, avec mes propres moyens, là, c'est-à-dire dans 5 minutes, en voyant la réaction des gens des égouts, je vais te casser ton cul, Donnie. Mais je m'appelle pas Donnie, mon gentil monsieur. Je m'appelle Ricky, je vous ai dit. Va à la position, Steve. T'as la position, tu la vois sur le GPS? Oui. T'es bien conscient que si c'est toi, Donnie, je vais le savoir là dans 5 minutes, même pas. Je t'ai pas bluffé, j'ai juste pas te mettre l'haut-parleur pour pas que tu reconnaisses la voix des infiltrés cachés toi. Je joue pas au con. Bah regarde, j'ai ma réponse. Allô. Allô.
Oui. Ok, d'accord. Tu dis que t'as confondu. Dis que t'as confondu. Ok, d'accord. D'accord. On me dit que c'est pas lui. Mais là, j'appelle Donnie, il me répond pas. Oui, mais en tout cas, ils sont bons. Ils sont bons. Si c'est, si vraiment même eux, ils font ça sans se parler, c'est fort. Ils sont bons. On va voir, de toute façon, on va quand même te confirmer avec l'ADN, etc., te confondre. Et on va voir si c'est toi ou pas. D'accord. Vous allez rien faire, j'espère. On va juste vérifier, faire des vérifications. Il va falloir que tu saignes un peu pour les vérifications. Ouais, que tu saignes un peu, c'est pas grave. Comment ça, saigner un peu? Vous avez l'habitude, là où vous êtes. Tu te drogues? Non, pas du tout. Tu t'es jamais... Ben non. Ouais, bah putain. Ça nous aurait facilité si tu t'es déjà piqué. On peut le rendre accro, hein. C'est quoi ces nouveaux SDF qui se droguent même pas? C'est incroyable. Je bois beaucoup, mais je me drogue pas. L'alcool, pas de drogue. L'alcool, mais pas de drogue, oui. Putain, mais je suis pas possible, t'as la même gueule que Denis. Allez, je sais, on m'a confondu plein de fois avec lui. Mais tu sais qu'à ta réponse, tu mens mal. Pour moi, t'es lui. Ah là, pour le coup, je suis sincère. Je sais que j'ai l'habitude d'essayer d'escroquer les gens en me faisant passer pour un banquier, mais là... Je cherche pas à vous escroquer. Allô ? Salut, Gérard. Quoi, t'as peur de moi ? Pourquoi tu me réponds plus ? J'étais occupé, j'étais au téléphone. Tu vas bien ? Ouais, ça va. C'est vraiment dommage pour McAllister. C'est vrai qu'il me ressemble un petit peu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, merde. Merde. Et en plus, vous savez quoi ? Il sait que dalle. Ouais, ouais. De toute façon, on veut rien savoir. Ouais. Ouais, pourquoi tu m'appelles, César ? Ben rien, ben c'était pour savoir ça. C'était pour j'entendre ta voix de... petite merde. Ça. On pensait que c'était toi, en fait, vu que tu dois perdre tes couilles un peu avec tout ce qui se passe, on s'est dit que peut-être ta voix est devenue un peu plus aiguë. Elles sont parce que lui, il a ta voix, mais un peu plus aiguë. Elles sont énormes. D'accord, mais je connais bien rempli, mais je le connaissais pas du tout. C'est dommage, Denis. Je peux te garantir, César, que si j'arrive à te croiser par tout hasard, je vais vider mes couilles sur ton visage. Une boucaquée, une faciale. Hey, moi, c'est pas sur toi que je vais faire ça. Ah, sur qui? Tu penses sur qui? Devine. J'ai le truc en tête, mais je vais pas le dire. Devine. Ben dis-le, j'ai deviné déjà. Hey, ton amoureuse. Ah. En plus, ça doit pas être compliqué hein, de la trouver, celle-là. Je sais pas. Bon, Denis, je te laisse. Hey, César, salut. Hey. Je sais pas. Ah, c'est pas lui, c'est pas lui. On va le passer à tabac quand même, lui. Mais comment ça ? Il est avec eux, par contre, mais il a pas d'informations. De ce qu'il a dit. Comment ça, je suis avec eux maintenant ? Mais messieurs, je connais pas votre histoire, moi. C'est parce que j'ai fait la manche devant lui. Il sort son endroit de merde, là. Ouais, c'est normal, je sais pas, il est horrible, son endroit. Non plus. S'il vous plaît, messieurs, me faites rien, je vous ai rien fait. La gueule, tu vas mourir. S'il te plaît, attends, arrête-toi. Ouais, non, c'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est le même. C'est le même, mais c'est pas lui. Ouais, descend de la bagnole. Ouais, non, c'est pas lui, on a confirmé, c'est sûr, c'est pas lui. Ça coupe le mur. On va le ramener. Regarde ce qu'il a sur lui, César. Ouais, lève tes mains, là. Il bouge plus. Garde-toi, Pat. Pourquoi je peux pas? Alors, t'as quoi, toi? J'ai strictement rien pour un hamburger périmé d'alcool. C'est quoi ce papier là? Donne-moi ce papier. Ça c'est quand j'étais jury, on m'avait... la police était venue me réquisitionner, m'ont dit soit on te met en prison, soit tu... Je le veux pas, c'est bon. Il le veut quand même le patron? Non, on va le laisser. Tiens. Aïe. Tiens. Pas d'espoir, espèce d'enculé, va. Tiens. Échange-toi, espèce de merde. T'as mis comme lui, là. On dirait... C'est ton idole, c'est quoi? T'es un fan? Ça, t'es un fan. C'est un putain de fan. Allez, vas-y. Moi, tu le dis au SDF, je vais tous vous tuer.
dégoûte. Dans nos ans, on aurait dû le garder pour qu'il le sacrifie au golf club. Oh, il a foutu plus trop, lui, ça marche pas. Moi, je pense qu'on doit jouer de Guadeloupe, hein, je vous jure. Ouais, mais Guadeloupe, c'est une mora, César. Ah, merde. À part si on utilise notre con, là. Le futur juge. Ouais, dis-moi, ton truc, là, que tu m'avais parlé, je crois c'est ce qu'on va faire, surveillé en fait. Par la police et... Un truc là où il y avait les forbes, t'as été voir, non? Non, s'il paraît, ça a été vidé, il n'y a plus rien. Ok, d'accord. Pas bien, ok, parfait. Alors... C'est qui le connard que vous avez attrapé? Un sosie de Denis. Ils ont mis un sosie en place. Ah, ils ont mis un sosie en place pour voir si on avait du mal. Ouais. Ils sont bons, ces enculés. Ouais. Bon, le patron est parti se pioter. Roddy est parti se pioter. Je suis tout seul, moi, là, pour l'instant. Je peux rester encore un peu, là. Tu veux qu'on vienne te chercher? Bon, je prends une coachée et je vais vous rejoindre. Okay, non, venez me chercher, c'est pas lui. Envoie-moi une position. Oui, ok. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah, il a cru que tu voulais venir le chercher. Pourquoi? C'est combien, monsieur? Comment ça, c'est combien? Bah, c'est combien? Oui. Bah, vous travaillez pas à l'Human? Si, je travaille. Bah c'est payé combien la soirée? C'est combien? C'est combien? Genre la voix. Et lui, c'est combien lui? Bien dressé, hein. Je parle bien avec le camion. C'est bien au moins que vous acceptiez votre homosexualité, les gars. Ouais, oui. Oui, je le suis, oui. Bien. Allez, va livrer ton camion, tonton. Je suis femme. La position, c'est pas Pichard. Il est seul. Qu'est-ce qu'il a, Pipitia? Il se cache comme des pucelles ce soir. T'as pas la position? Pourquoi on va pas à la position là? Si, faut aller chercher Papicha. Ouais, mais sa position elle pue du cul, faut lui dire qu'il sort de là. Pourquoi? Attends, pas par là-bas, passe par là-bas, voilà. Voilà, tu passes par là, tu descends, tu tournes à gauche. Gauche. Que tu sais lire des GPS. La gauche maintenant. Gauche encore. Mais non, c'est pas là. Si, tu verras, c'est là. Gauche. Maintenant, si tu vas tout droit, tu vas au fond. Toi aussi, apprends à lire des GPS, César. C'est pas dire que le GPS, il se trompe et t'amène à l'autre côté, que c'est là-bas. Enfin, en vrai, c'est là. Mais c'est eux aussi, ils savent pas envoyer des positions GPS. C'est des vieux, tu sais. Mais comment ça? C'est ici, la position. Où il nous a ramené. Non, regardez, c'est la nouvelle, là. La nouvelle, elle est tout en bas. Ah, la nouvelle, on voulait. On n'a pas la nouvelle. Tu la vois pas, je suis un conduit. Ah, tu la vois pas. Ouais, je gère le volant. Je gère un peu le volant bleu, là. Allez, ouais, je te gère. Roule vite. Enfin, roule bien. Vous avez pas peur, ils ont 8 fusils d'assaut. On va faire quoi contre ça? Non mais attends. Ce que tu nous prends pour des demeurés, on a des gens, on sait. Nous on a plus que des fusils d'assaut, la meilleure arme c'est de savoir. D'après de nombreux historiens, rappeurs et hommes politiciens. Ah bon? T'es pas d'accord avec ça? Bah oui, mais... une arme. C'est une arme, mais une arme c'est une arme aussi. De quoi? En fait, cette phrase-là, ça dit pas que le savoir est plus fort que l'arme. Ça dit juste que le savoir est une arme. Eux, ils en ont 8. Écoute, j'ai étudié Freud. Freud, il a dit, le savoir est une arme, je suis calibré, je suis cultivé. Freud? Voilà. Moi, je procède comme ça. C'est qui, Freud? Oui, poté. Ouais, César. Oui. T'es encore avec eux ou pas? Non, pourquoi? Dis-moi. J'ai un truc bien croustillant, là. Dis-moi. Il y a eu une réunion, déjà, dans les égouts. Ouais. Je le sais de source sûre. Il y avait qui à cette réunion? Il y avait pas mal de monde. Je vais t'envoyer par... Par message. Ah, putain, t'es... Tout le temps tu vas m'envoyer par message? Non, mais d'habitude, c'est moi, je voulais faire. Tu préfères par mail ou par message? Parce que message, si tu te fais niquer ton message, téléphone, ça peut être un problème. Non, vas-y. T'inquiète, message, c'est bon. Fais attention à ton téléphone, alors. T'inquiète pas. T'as bien vu l'autre fois que tu voulais avoir mon téléphone, ce qui s'est passé.
Ah, vas-y, envoie-moi par message tous ceux qui étaient au rendez-vous. Ensuite, il y a quoi d'autre? Mais c'est ça. Et ça, le rendez-vous, c'était pour pour vous, quoi, en gros. C'était pour nous. Ils montent une armée. Ils montent une armée. Ok. Il y avait qui? Mais dis-moi là, au lieu de m'envoyer par message. Allez, vas-y. Parce que j'ai pas tous les noms encore. À peu près. Je t'envoie un message. D'accord, vas-y. Il y a une réunion ce soir aux égouts. Ouais. Et ils montent une armée contre nous. Une armée? Oui. Et là, il va donner la liste de tous ceux qui étaient présents. C'est bien qu'il fasse ça. Allez, faisons le jeu de la devinette. Vas-y. Chacun doit dire un nom qui est, il est sûr et certain qu'il était à la réunion. Vas-y. Bah, Bora, c'est sûr. Moi, je dis Joji. Ok, moi, je suis d'accord. Je valide. Bora, sûr. La mère rapotée. Ça, c'est sûr, oui. Lequel? Bah, on a quoi? On a consigne du patron, Denis meurt. Denis, putain. Bubule, on le tue. Okay. Tous les autres, c'est de l'information. Okay. On récupère des informations et on essaie de convier Denis à la discussion. Si Denis vient à la discussion, on lui explique qu'il faut qu'il vienne discuter, que ça devient urgent. Parce que sinon, si ça va sévir. Et oui, poté, dis-moi. De... Et s'il demande de discuter de quoi, on lui dit d'aller voir patron. Attends, je te rappelle. Vas-y. J'ai la liste. C'est bon. C'est quoi la liste? Carter, Mora, Guadalupe, Daryl, Donnie, Bubule, Django, Kofi, Captain Doudou et 3-4 personnes dont j'ai pas les noms. Et tout ça, c'est des gens qui doivent mourir ou c'est les gens qui étaient là? C'est les gens qui étaient à la réunion contre nous. Ok, c'est bien, ok. Donc du coup, qu'est-ce que je dois dire à Baba Santana? Hein? Baba Santana, tu lui dis que qu'on est là pour des effectifs pour le... Ok, je vais l'appeler. Pour le guet-apens. On dit bien César ou pas? Parce que pour une Sherman, sinon. Je sais même pas c'est quoi. Non, là on est bien, moi. On est bien. Ok. Oh, c'est toi, tu voulais. Vous avez peur? Non, je veux savoir si tu maîtrises le véhicule, c'est tout. Ouais, tout est maîtrisable. Quand même face à des SDF, ils conduisent pieds nus sous la neige. Vas-y, viens, venez, on se tire, vas-y, c'est bon. Ça pue, là, un peu, cette équipe-là qui vient d'arriver. Ouais, c'est pour ça. Alors, on se barre. Bonne soirée, monsieur. Le mec qui est masqué, il pue. Il nous suit? Méfiez-vous, démasqué. Bienvenue dans la voiture de la mort. Ah oui? Oui. C'est quoi, c'est un cercueil roulant, c'est ça? C'est ça. Ils sont en chasse, hein, je vous le dis au cas où, ça a été confirmé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont sur notre cul, quoi, ils cherchent. Oui, ils sont, je sais. Ils tournent en ville. Bah, je vous l'ai dit, il y a je sais pas combien d'équipes qui sont en train de chercher tous les noms. T'as entendu? Non, c'est tombé. Hop là. Vas-y, bombarde. Qui c'est lui là qui est sorti? C'est un EMS. Je te jure, ça va comme ça à côté de moi alors que tu as pu. Ah oui, moi aussi, j'étais arme sur la main. C'est eux. C'est eux. Bloqué, on les tape. Fallait les taper, putain. Bah moi, je pensais pas que vous avez vu. Mais t'es fou, mais directement. Vous avez vos armes, vous avez tout. Mais bien sûr. On a ce qu'il faut là. Ça va, Bigra. Si tu fais de beau. D'accord. Eh ben écoute, après je passe te voir. Sinon, si je te réponds pas, appelle Steve. Si c'est un coup, je serai parti dormir. Par contre, là, ils sont en planque autour de l'unicorne, là. Oui, je cours bien. Il y a qui à l'intérieur de l'unicorne? Il y a des coachés là à gauche. Vous voulez pas prévenir Gray? Si je passe son numéro, ce qu'on a. Je le préviens. Denis est à l'unicorne dans la salle VIP, actuellement. On peut rentrer par l'arrière. On y va? Qui t'a donné cette info? Carlos Santana. On y va sûr ou pas?
On va voir si elle tire la voiture là, on est elle. Non, rentre pas avec tes armes à l'intérieur, c'est... Demande, c'est qui tient l'unicorne? Je vais l'appeler, c'est Gray. Dis-lui qu'il le récupère et qu'il nous le sort par derrière. Mets-toi derrière. Non mais là c'est bizarre en vrai, c'est bizarre, moi je pense. Cette affaire, non, je pense pas, c'est une affaire, c'est... Attends, ralentis, la coach est derrière, je crois qu'elle nous file. Elle va faire demi-tour. Oui, il y a un truc qui se passe autour d'une unicorne, c'est sûr. Gray ne répond pas. Ok, donc il se passe un truc à l'unicorne. Oui, oui, faites attention, c'est très bizarre là autour de l'unicorne. Alors, je n'y suis pas à l'unicorne. Ah, pas parfait. Par contre... Oui. Est-ce que c'est vous qui utilisez un sosie de moi? Ah non. Parce que tout le monde me dit que je suis à l'unicorne actuellement. Ah non, non, non. Dans mon costume blanc, en train de danser avec une pub. Bah allez voir dans l'unicorne, j'y suis. Ah non, on peut pas là, c'est un peu tendu là. Non mais vous voyez ce que je veux dire, moi je me suis dit que c'était Ochoa et ses hommes du coup qui sont en train de préparer un plan. Peut-être qu'ils m'ont pas mis au courant, je sais pas. Mais parfait, parfait. Je vous rappelle. Je vais joindre tout ça, merci absolument. De rien. Est-ce qu'il veut? J'ai pris... Attends, il parle trop... J'ai dû raccrocher carrément. Non, c'est pas lui, il est pas là, c'est un sosie à lui. Mais il sait pas c'est qui a créé ce sosie. Mais c'est des c'est vraiment des petits enculés. Ouais. Ouais. Ils sont malins. Ils sont malins. C'est qui celui-là? Oh, je crois que c'est un... Oh là, c'est lui. Hey, hey, toi là. Raccroche-toi ton téléphone. Rapproche-toi, toi. Ouais, j'arrive. Raccroche ton téléphone. Tu crèches tout, toi? Monte dans le véhicule. Raccroche ton téléphone, monte dans le véhicule. Monte dans le véhicule. Je crois que non, elle a rien à voir. Je crois, hein. Non? Ce qu'il y a, les mecs? T'es un SDF, toi? SDF, moi? Non? C'est une association caritative, Gilles Trépus. Ah ouais, c'est bon, le petit Prépus, c'est bon, on y va. Oh, t'as rien vu. C'est bon, c'est Prépus. Ah, elle est là, la voiture à gauche. Ouais. En fait, là, j'ai peur que si on va sur eux, ça va, je pense, ça va juste être un pain de sang. Ouais, bien sûr. Ils sont derrière un autre tranquille, roule, non? Ouais, vous inquiétez pas. Vous êtes à gauche. Il n'y a qu'une voiture qui nous suit. Même pas. Hein? Même pas. Ils sont en train de nous la faire bien, en fait. Ils sont en train de mettre des faux Donnie partout pour qu'on se jette dedans, en fait. Le prochain 4 ans, je le plombe. C'est à deux doigts d'appeler Donnie et lui dire arrête ton truc. Non, le prochain 4 ans, tu... Et après, tu vas voir s'il y en a un autre qui veut faire le clown. Il y a du monde à droite, là-bas. On a mort. Après, on peut appeler... Moi, je peux appeler... C'est le 7ème pas qu'on croise. Ils connaissent ta voiture ou pas? Je sais pas. Je pense... qu'il a fait bulle avec. Oui, oui, il a fait bulle avec, ouais. Moi je pense, vous voulez pas que j'appelle une petite équipe et je leur dis oui, un striker blanc, attrapez-le, je vous paye bien, je leur dis pas que c'est l'SDF. Non, pas un striker. Comment ça s'appelle ça? Huntley. Et comme ça, c'est la merde un peu partout. Mais comment tu sais que c'est... C'est sûr, il y avait le gars avec la veste marron clair, c'est un de chez eux. Mais c'est un petit, c'est pas un... Fais-le, donc. Tente des trucs, venez. Est-ce qu'il veut en échange ton gars, demande-lui. Ouais, je vais voir. Oui, il travaille avec eux, mais je vais pas lui dire que c'est les SDF. Les gars, vous avez entendu ce que j'ai dit, wesh? Ça, il transporte quelqu'un, on dirait. Bien.
Non, ça n'a rien à voir. Non. C'est le mec de là tout à l'heure, le garagiste. Ouais. Tout, on va roder pour roder. Ça, ça date, le rodage. Qu'est-ce que t'as à faire de mieux? Pioter, clairement. Allez-y. Faire gaffe, à moi ils seront là. Ça où ces chiens là? Putain. Et tout à l'heure on pouvait les avoir. Ah, c'est comme ça, n'hésite pas, tu te gardes directement devant. On te cible. T'inquiète pas, que si tu descends, on descend. Oui, on va pas te lâcher. Ouais, ouais, mais moi j'ai pas mon arme, c'est pour ça. C'est pas grave. Elle est où? Dans mes fesses. Ah, je l'ai pas sorti. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Ah bah du coup... Mais là, en tout cas, ils chassent, pas... mais pour moi, ils nous chassent pas, nous. Hein. Ouais, mais du coup... Ils chassent autre chose. Oui, ils chassent autre chose, ils savent qu'il y a autre chose, il est pas avec toi. Canelo m'appelle. Dans la voiture, il est. C'est pas bien et tout. Ouais, dégarmé. Du coup, je pourrais pas te rembourser deux fois la différence. Attends, je te rappelle, attends. Attends. Okay. Gré vient de se faire tuer à combien de temps? Il y a 5 minutes. Ouais, je vous ai dit, c'était lui et c'était Denis dans la... dans l'unicorne. Et ouais, quand vous voulez pas m'écouter. Ok, c'est pas bien, ok. Très bien. Et on pense savoir qui a fait le coup, c'est bon, tranquillo. C'est bon, c'est Denis. On avait presque confirmation, mais maintenant, en lui donnant la mort, ben, ils se sont donné la mort également. Il est mort où? Demande, il est mort où? Dans l'unicorne, sûrement. On savait les flics devant. Ouais, ben, c'est pour ça qu'il y a les flics, c'est pour ça qu'il y a les ambulances. Mais je vous l'avais dit, ouais, vous voulez pas m'écouter. Attends, ouais, je comprends bien, c'est gentil de m'avoir tenu informé à Canelo. Oui. Je vais remonter ça auprès de Tego Ochoa et on va travailler dessus. Pas bien. Ok, gracias. Hasta luego. Lui. Canelo confirme la mort de Gray. Mais il m'a dit que c'était pas lui à l'unicorne. Du coup, c'était vraiment lui? Non. Mais là, je l'appelle. Monsieur Gray. Appelle Gray pour savoir. Quand? C'était quand? C'était vraiment là, il y a 5 minutes, c'est pour ouais, ça mais il m'a dit qu'il était pas à l'unicorne. Oui, bah appelle-le. C'est pas lui pour moi, hein. Pour moi c'est pas lui. C'était Denis, c'était Denis. Attendez, okay. laissez les informations se faire. D'accord, donc c'était lui qui était au VIP. Ok, d'accord, pas de soucis. D'accord, pas de soucis. Bah allez, vas-y. Ouais, c'était bien lui. C'était bien qui, lui? C'était Denis. Ok, maintenant, faut savoir si Gray est mort. Appelez Gray. Et là, il répond plus. C'est très bizarre. Donc, c'était lui qui était là-bas? Non, il m'a dit que c'était pas lui. Peut-être que, je sais pas, ils l'ont attrapé plus loin, j'en sais rien. Ça s'est passé à l'unicorne, hein. Ça m'a dit qu'il était rentré à l'unicorne, mais il a allumé. Mais Gray n'était pas à l'unicorne. Je vais rappeler alors, du coup. Attends, je vais appeler... Ça s'est passé où, ça? Dans l'unicorne, dans l'unicorne. Oui, allô. Alors, merci. Commencez pas, il y a plus grave là. Gray, ouais. Il n'était pas à l'unicorne. Là, c'est le bélis. Hein? C'est il s'est fait allumer par Denis et compagnie devant tout le monde. Mais je l'ai appelé 2 minutes avant, il m'a dit qu'il n'était pas là. Il devait être pris en otage, César. Il est pris en otage. Il était pris en otage, tout simplement. Il a été attrapé où? Attendez, je vous rappelle, 2 secondes. Mais c'est bizarre, hein? On était juste derrière, j'avais l'information, on aurait pu le sauver, les gars. Rien à foutre. On avait juste à rentrer. Mais je m'en fous de... Ah, elle a branlé, qu'elle se fait enculer. C'est qu'un pion. Ouais, qui va se faire foutre. Mais là, c'est vraiment lui, sûr, qui est mort. Je vais essayer de confirmer, là.
Viens, code Lulu, c'est pas la première fois qu'on me voit, il fait que tourner ça. Allez, on lâche notre haine sur lui. Mais quoi, il s'est fait braquer? Allez, vous nous emmenez quelque part ailleurs. Arrête-toi, cabron. Il m'entend pas, ce con. C'est sûr que si. Il est en train de t'emmener quelque part. Arrête-toi, cabron, deux secondes. Oui, bonjour. Ouais, laisse-moi voir ton visage là. Oui. Baisse ta fenêtre. C'est bon, je vois qui c'est bon, on y va. Okay. C'est un connard. Et après, est-ce qu'on n'est pas des connards, nous aussi? Oui. C'est vrai, son chauffeur, là, il gueule. Allô? Il répond pas. Allô? Oui, allô? Allô? Si, allô? Oui. Oui, j'ai entendu dire que Grace s'est fait tirer dessus. Mais le problème, c'est qu'on l'a appelé 5 minutes allô avant qu'il allô se fasse allô tirer oui dessus. Il a dit qu'il n'était pas l'unique. Allô? Mais il se faisait braquer, messieurs. Ouais, peut-être il se faisait braquer. Ah, il a okay répondu, il a dit tout ça. Simple. Ok, c'est bien. Bah, du coup, il est mort, allô, c'est confirmé. Allô? Bah, c'est ce qu'on me dit. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous entends. On va enquêter. Non. Wesh! Gré est mort! C'est ce qu'il m'a dit aussi, donc je pense que c'est là-dessus. C'était peut-être pas lui, hein. C'était peut-être un. Ok, d'accord. Mais pourquoi elle s'en bat les couilles de sa mort? Super nouvelle! Y'a pas grave, okay, j'ai vu, okay, j'ai vu okay Davis. Bonsoir, ça va bien. Bouge pas, recule. Recule et on écoute. Ça va bien. Bah, c'est les deux seuls que j'ai vus là. Ça va bien, ok. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir. Comment ça, qu'est-ce qu'on veut? Je sais pas, vous me dites bonjour. On dit bah, est-ce que vous passez une belle soirée? Bah, c'est ça la formulation, Jonas. Ah, pardon. Je suis un peu russe. Ça va, vous allez bien? Ah ouais, t'es russe, Jonas, tu veux que je descende de la voiture, que je te montre c'est quoi qu'elle tient dans le... Non, bah non, on n'a pas besoin d'être aussi agressif. Ah, Jonas, c'est ton ami qui est agressif, c'est pas nous, monsieur. Nous, on a dû lui dire bonsoir, on s'est mangé avec, qu'est-ce que tu veux? Faut pas lui en vouloir, vous inquiétez pas. Vous êtes un objet russe. On est obligé de... Ah, mais bande de connards. Vous m'entendez? Ouais. Ah non, c'est pas ce que je pensais. Moi, je suis dans le moi, bah non. Ah, mais moi, du tout. Oh, c'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Non, c'est le manteau, c'est la jaquette, je croyais, j'ai confondu. Vas-y, monte. Il se gratte. Bah oui, il se gratte. On se gratte le cul quand même. Oh putain. Avec un. C'était bien. Attendez, écoutez-moi. Arrêtez avec les connards là qui parlent pour rien. Il paraît que Baba Santana il a eu aussi également Gré et que Gré lui a confirmé qu'il n'était pas là-bas. Donc soit Gré... Bah, attendez, j'appelle Stella, finir. Elle va nous expliquer, non? Laisse-moi finir, parce que ce Baba il a utilisé un mot un peu bizarre là. Il oui m'a dit, c'est simple, soit c'est un clone, soit il simule sa mort. Voilà ce qu'il m'a dit. Okay. Ouais, il a mis une insertion tactique à sa maison. T'as déjà pesté là. Pas mal. Parce qu'elle aussi, elle a l'air de s'en foutre total. C'est quoi, va à la bouche d'égout de Grove Street, voir si ça sort ou ça rentre de là-bas. Il a simulé sa mort, monsieur, tout simplement. Soit il a simulé sa mort, soit c'est un clone, comme t'as dit. Soit il est vraiment mort. Mais vous avez pété les plombs, vous, un clone de quoi? Ça n'existe oui pas, écoute, ça. Écoute, t'es pas au courant de tout. T'es pas au courant de tout, hein, je crois. Ah oui, pas au courant que vous êtes fou. Rosé, la prochaine fois, quoi? Vas-y quoi? Que vous êtes doux. Vous êtes doux. À la base. À la base des bases. Faut faire connaissance, ça va. Je peux vite redevenir vendeur de pommes, César. Ouais, ou producteur de pommes par le cul. Écoute, César, nous on a entendu des trucs un peu bizarres. Comme quoi. Des gens. Seraient morts ou pas, et on sait pas, on les revoit. Des trucs un peu bizarres, quand même. Je ne saurais pas te dire, hein, j'ai pas le dossier en main. Ah, mais oui, j'ai vu ça. C'est comme Tupac, ils ont refait un concert en... Comment ça s'appelle? En hologramme. Wallo, Armando. César, ça va? Oui, ça
Ça va et toi, dis-moi. Ouais, ça va super. T'as appris là ce qui se passe? Ouais, j'ai appris, ouais. Bah, je suis avec quoi, eux. Je suis avec les autres. Oula, lesquels? Bah, ceux que tu viens d'appeler à l'instant. Moi, j'ai. Je comprends pas là. Où ton boss? Rien, je suis avec ceux avec qui je travaille. Ok, ouais, ok. Pour les autres, tu vas faire quoi? Ils te cherchent, hein, je crois. Ils veulent te buter en priorité, je crois. T'es la cible numéro 1, César. Ouais, écoute, je vais continuer ma vie comme bon me semble. Ok. Bon, je vois, t'as pas les couilles de le faire. Si t'envoies, appelle-moi, César. Ouais, oui, je pense pareil, bon, pareil pour toi. Moi, nous, on les cherche, là. Ah, ok, pas de soucis. Vas-y, César. Vas-y. Santana, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que je suis la cible numéro 1. Mais parce que t'as attrapé Bubule. Bah oui. Il s'appelle comment le mec qui t'a appelé? Armando. C'est pas pour Maradona quoi ce fils de pute. Visiblement. C'est qui eux? Ça se voit c'est eux. C'est le militaire ça. Le militaire. Faudrait peut-être mettre les militaires aussi sur le coup, messieurs. Arrête-toi à côté d'eux, César. Oui, arrête-toi à côté d'eux. On va parler au vieux. Au vieux Jackie. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez, pitié? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais du coup... Mais c'était pas lui! Il est où, là? Mais c'était pas lui, en tout cas, qui est mort, on est d'accord? Je sais pas, César, ça fait 10 mois que je vous ai pas parlé, je sais pas dans quel camp vous êtes, donc je sais rien. Moi je travaille, je suis dans le camp de Chua. Ok, non, c'est pas lui. Oui. Ok. Du coup c'est parfait, mais là il est où? Normalement en sécurité, mais vous me dites qu'il a été kidnappé, donc peut-être pas en fait. Mais il répond plus. Donc c'est à vous de voir si... Normalement il est en sécurité, Driller de merde. Où? Allô? Mais je sais pas, il m'a pas dit, bah pourquoi il me dirait? Oui. Bah essayez d'avoir de me le dire et... Oui. Ok. Et si vous voyez des gens... Des clients de quoi? Des SDF, dites-le moi. On vendait des prospectus. Ils veulent me tuer, Stella, Madame Stella. Qui, le Donnie et compagnie? Oui. Bah oui. Je me doute pourquoi, César. Oui, je suis charismatique. Non. Pourquoi? Kruger. Pour Kruger? Bah oui. Comment ça? Ah non, pas ce petit jeu avec moi. Je vous jure que non, je suis pas au courant. C'est pour parce que j'ai ramené Bubu à Ocho. Ah non, Madame Stena. Mais c'est... Vous savez quoi? En fait, peut-être qu'un jour on pourra peut-être... Mais non, mais cela vous mais... dites vraiment une... Vous venez de lâcher une bombe là. Comment ça? C'est pas pour ça. Normalement, c'est pour... J'ai ramené Bubu à Ocho. Pour moi, c'était pour Kruger, non? Je peux pas, je suis occupé, je peux pas. Et toi? Bon, c'est moi qui ai compris. Mais ils sont pas au courant. Bah, je sais pas, j'ai pas le. Bah, je pense que c'est très clair de qui a tué Kruger, tout le monde le sait en ville. Par contre, tu peux dire que t'as la police. C'est qui? Bah. C'est son destin qui l'a tué, c'est qu'il a décidé d'aller contre le golf club, donc bah forcément, ça s'est retourné contre lui. Mais comment ils l'ont su? Mais tout le monde le sait! Mais comment? Mais parce que Kruger était un justicier qui disait à tout le monde qu'il voulait sauver la ville. Oui, mais c'est des suppositions. Oui, voilà. mais bon, vous, sur des suppositions, vous avez déjà mis en place des choses. Enfin, je sais pas, moi, c'est les suppositions que je fais ensuite. Vous pensez après, que c'est qui l'a tué de... Qui? Mais si vous pensez ensuite que c'est Bubule qui est à l'origine, bah c'est Bubule. Moi, j'étais pas au courant pour Bubule. Et les affiches, en plus, c'est écrit partout en ville, il y a des affiches. Beaucoup, messieurs. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça. Les capas. Bah oui, voilà, mais c'est... Non, mais ce n'est pas moi, en tout cas. Papichon, d'accord, colonel. Peut-être, je m'en fiche. Ça change rien. Je dis juste que, du coup, forcément, oui. Arrêtez, vous êtes triste. Vous n'êtes pas triste pour lui. Mais en fait, vous êtes une vraie sorcière. Hein. Vous en foutez de... Ah bah non, Gray, pas moi, je suis con. Mais Kruger, vous avez rien ressenti? Kruger, je savais que ça allait finir comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Que j'aille courir au suicide avec lui? Le pauvre. C'est quand même cruel hein, ce que vous dites, vraiment. Oui, d'accord, c'est moi qui suis cruel. Mais là, vous... Bref. Oui. Ça fait 6 mois, on s'est pas parlé, vous m'appelez pour me faire des reproches, parce que j'ai pas pleuré Kruger, c'est ça? Non, mais c'est... Bah non, je vous ai appelé pour gré et vous protéger, à la base des bases. Et vous aussi, du coup, vous êtes en danger? Oui, mais moi, vous inquiétez pas pour moi.
Non, je m'inquiète pas pour vous. Je suis le danger, madame. Je ne m'inquiète pas pour vous, César. Bon, bah j'essaie d'avoir des informations, je vous rappelle. D'accord, merci. Au revoir. César, viens par là, putain, et dis-lui la liste, là. La liste, bah, je... des céréales Lyon, de l'eau, deux packs d'eau, s'il vous plaît. Non, va te faire voir la liste des personnes qui attendent à la, qui ont attenté à la vie de Grey, qui cherchent aussi également à attenter à la vie d'autres personnes. C'est les SDF, et ils ont eu une réunion juste avant pour préparer leur coup. Donne-lui des noms, donne-lui des noms. Donny, Bubule, Daryl. Voilà, c'est trois noms. Déjà, c'est... Ensuite, il y a à la réunion, il y a eu Carter, Mora, Guadalupe, Daryl, Donny, Bubule, Django, Kofi, Captain Doudou, Jody, Savage. Et trois, quatre autres personnes dont nous ne connaissons pas l'identité. Et actuellement, il y a plusieurs. Ouais, dites-nous. C'est quoi ? C'est que ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que Monsieur Gray, en fait. Si vous voulez, le problème, c'est que tout le monde fait porter le chapeau à tout le monde, et que Monsieur Gray fait souvent porter le chapeau aux mecs des sous-sols, là. Oui, ils sont en guerre. Oui, mais pas vraiment, en fait. Hein. Ok. Ça a l'air plus compliqué que ça, mais le problème, c'est que le problème, c'est pas les mecs des sous-sols, hein, c'est Monsieur Gray. Ah, c'est du « je t'aime, moi non plus », c'est ça? Oui, ce Monsieur Gray est un vrai gourou qui alimente tout cet esprit de révolte. Monsieur Gray drogue la population, Monsieur Gray est comme... Oui, mais vous pensez que c'est une fausse rivalité entre lui et Denis? Ben, en tout cas, c'est peut-être pas une fausse rivalité, mais s'il y a rivalité, c'est Monsieur Gray qui l'a créé, il l'entretient, oui. Oui, il s'entraide quotidiennement, de nos informations. Ok, c'est très bien, mais... C'est quoi la dernière information? Excusez-moi, juste deux secondes. C'est quoi la dernière information que vous avez eue d'entraide entre eux? Elle date de quand et c'est quoi? Exactement, si c'est possible, si vous l'avez. Moi j'avais le petit meeting de Monsieur Gray en dessous, et ensuite avec Monsieur Gray, arrêtez pas de mettre des. Comment on dit là, des choses sur le front des clochards. Ouais. Et aussi, ils ont un véhicule de la police, ça par contre, qu'ils ont caché. Ils l'utilisent pour faire leurs opérations. Et là, c'est actuellement, nous avons plus de 5 sources différentes qui nous ont émis les activités de Monsieur Gray et qui leur a Seigneur, ces idées. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour le moment, les activités du Seigneur Gray sont certes peut-être douteuses, mais je pense que ceux qui doivent légiférer sur ces actions restent le Golf Club. Et pour le moment, Monsieur Gray est une personne à protéger. S'il est mort, c'est un échec. C'est toi, sergent, putain. Non. Et tu allais prendre une photo. Elle a balancé quoi, monsieur? Tu t'es cru dans quel film d'action, là? C'est qui? Vous voulez pas qu'on aille voir son cadavre? Ouais, faudrait que je vais appeler, attends. C'est qui? C'est Chico qui demande ça, là, avec... C'est Ok. Ouais, justement, aussi. Oui, soyez impressionnés les nouveaux uniformes. Pas de soucis. Est-ce que c'est le FIB? En tout cas, désolé si je vous ai dérangé. Hein? En vrai, quand je jouais gangster, allez, les anciens ils devaient nous voir en bouffon de gueudin. Quand tu les regardes, tu te dis vas-y, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, c'est bon, normal. Après, non, eux on était bien en place quand on était à leur place. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, non, on était en place avant. En vrai, non, c'est incomparable. Messieurs, vous êtes qui? Bonjour monsieur, allez jouer ailleurs, Désolé, désolé. Première fois de votre vie, vous voyez de la neige, je comprends, mais allez-y. Vous avez pas l'habitude. On y va, faut qu'on bouge. Il y a beaucoup de motos qui tournent autour, c'est bizarre. Ça tourne beaucoup. Allons-y. On suit le colonel, messieurs, on va finir. Parce que c'est... C'est invivable ici. Ouais, je vais rejoindre une soirée. Moi je pense qu'il est mort, les gars. Oui, le problème, monsieur, c'est que toutes nos enquêtes, nous, je considère bien le Golf Club et tout ce que vous nous dites, hein, comme le général me l'a également fait remarquer, comme il nous a expliqué. Nous sommes là pour défendre, bien entendu, le capitalisme, le Golf Club, écouter le vice-gouverneur, ça, c'est une chose. Le problème, c'est que cela empiète également, monsieur Gray n'est pas vraiment...
il ne va pas avec les gens qu'on protège également, vous comprenez ? Je comprends alors, bien. Ouais. Du coup, ça nous pose un gros problème. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir les agissements de M. Gray. Très bien, mais ce qu'on peut faire alors, c'est que... Bon, si c'est lui, vraiment lui qui a été atteint et que malheureusement il est mort, ben, on s'en fiche un peu maintenant de ce qu'il a pu faire. Ouais, au moins, on va essayer de comprendre ce qu'il a pu faire. Mais s'il est encore vivant, ce qui serait bien, c'est que vous remontez cette information auprès de certains membres du Golf Club, tels que Tego, tu vois. Oui, bah, monsieur le vice-gouverneur déjà au courant. Ok, c'est bien, parce que vous l'avez tenu au courant, c'est parfait. Alors, on bah oui, il est au courant de tout. Et même lui, il m'a dit que ministre ou pas ministre, ou Golf Club ou pas Golf Club, hein, il fallait qu'on continue à lui mettre la pression et qu'on enquête sur monsieur Gray. Hein. C'est parfait. Alors, si vous avez reçu des ordres de monsieur Fox, c'est parfait pour nous. On est à raccord. Il faut bien comprendre, si vous voulez, que nous, on a rien contre les Bajans, même si on défend le capitalisme et que nous sommes là pour défendre le pays, mais nous sommes là pour défendre le pays. J'entends bien. Et quand nous allons dans les égouts, nous avons côtoyé sur M. Bubule. Tout nous porte à croire que c'est également un terroriste, mais tout nous porte à croire que M. Gray le manipule pour que ce soit un terroriste. Vous comprenez ? Okay. Oui, je comprends bien, oui. Je comprends bien. C'est un vrai fouillis de nœuds qu'il faut essayer de défaire et comprendre. Exactement, mais à chaque fois, M. Gray revient là-dedans. Ok. C'est bien. Écoutez, je vais essayer de voir exactement qui... Est-ce que c'est bien M. Gray qui a été touché, confirmer s'il est mort ou pas, et on verra après derrière. On va voir. Ouais. Est-ce que je peux demander un service, monsieur ? Oui, dites-nous. Oui. Si on peut y répondre. Ouais, c'est-à-dire que j'ai le numéro d'une personne qui me donne beaucoup d'informations, et je ne sais pas comment le remercier et lui montrer notre confiance. Et je ne sais pas comment vous êtes avec lui. Monsieur Plo, ça vous parle ? Monsieur comment ? Monsieur Plo. Non, ça ne me dit rien. Plo comment ? Un kiné ? Oui, le kiné Patrick Plo, oui, exactement. Patrick, ouais. Oui, c'est ça. Le centre de réhabilitation, non ? Exactement. Est-ce que vous pourriez lui passer un coup de fil en disant nous sommes les services, trucs, sachez que nous vous protégeons, monsieur le colonel nous a beaucoup parlé de vous, etc. Oui, envoyez son numéro. Le numéro, c'est 36-655. Qui note là ? Prenez-le tous. 36-655. Oui, c'est ça. D'accord, on fera. Oui, j'ai déjà son numéro en plus. Mais il servait à quelque chose, lui. C'est noté. Ok, gracias. Pas de soucis. Et actuellement, il y a plusieurs véhicules avec plusieurs SDF qui sont à la recherche de la liste qui est affichée un peu de partout en ville. Ouais, c'est sûr. Plusieurs, ils sont surarmés. Faites attention. Quelle information vous avez avec cette armée des roues ? Comment ? Je pense qu'il parle d'une armée des héros, il parle de ses SDF. Non, l'armée des héros. Wesh, Barroz, bien quoi, mon frère. Merci, mon frère. Okay, c'est du quoi, Barroz, wesh. On a des infos sur leur chef. Sur la tête. Est-ce que ces personnes sont violentes ou sont raccordées avec les habitants des égouts ? En soi, c'est des illuminés, oui. Oui, il y a un lien avec les personnes des égouts. Oui. Ils cohabitent, ils font des trucs C'est qui là, la clodo là qu'on a chopé hier là ? Comment qu'elle s'appelle déjà ? Comment tiens, c'est qui ? Colonel, celle qui nous a emmené. Celle qui travaille au tequila Sunrise là. Rose, sûrement non. Il y a vu Snix, merci mon frère. Fraise. Non ? Non, je sais. T'es plus sous 2-2 soda ? Est-ce qu'elle est habillée en rose ? Non, allez hop, on s'envoie 2-2. Ah, cheveux bleus. Ah, ça me dit rien. C'est pas celle que t'as aidé, toi. C'est une grosse voix un peu rock. Ah oui, une voix rock, ouais, la voyante, ouais. Là, je sais pas quoi, là. Ouais. Comment ça s'appelle cette connasse, j'ai oublié. J'ai un trou de mémoire, mais je vois qui, oui. Elle, en gros, elle est censée nous donner des informations, sinon, quand elle revient là-bas, la base, elle se prend une balle dans la tête. Ok, c'est bien, monsieur. Continue comme ça, du coup. C'est parfait. On va commencer à un peu leur mettre la pression, mais nous, on va être obligé de jouer le jeu comment ça s'appelle, des gens dans les souterrains, bon, parce que personne les aide. Nous, on va pas les aider, mais on va leur faire comprendre qu'on est plus contre M. Gray, comme ça, peut-être qu'on pourra avoir des informations. Oui, ça nous va. En tout cas, on aimerait bien avoir Donnie, au cas où. Donnie, Bubule, Daryl. C'est ouais, mais nous, si on voulait libre, moi, j'aurais pas d'informations sur M. Gray. Vous comprenez ? Je comprends. Et s'il est mort, Gray, du coup, on peut s'appeler les infos. Si M. Gray, on pourra passer à autre chose, bien sûr. Ok, stablement, fait ça, alors. Ça nous va. Retenez-nous encore informé sur sa mort. Ouais, ou non. Pas de problème, je vous tiens au courant. Merci, messieurs, pour votre service. Oh, bien sûr. À bientôt.
On vient voir si un patient est rentré dans le bloc opératoire ou a reçu des soins ce soir, ici. Un certain monsieur Gray. Il entend en bloc, il y a un enregistrement à son nom, quelque chose. Justement, moi j'ai intervenu à l'unicorne parce qu'on m'a appelé pour justement un blessé par balle. Ouais. Et on a essayé de stabiliser son état, etc. C'était un peu. C'est pas très bon état et c'est la police qui s'est chargée de la chute. Là, il n'est pas à l'hôpital actuellement. Plus ouais. Jamais l'unicorne. La police. Plus jamais l'unicorne. Ah oui, plus jamais l'unicorne. La seule okay, fois. On est, la seule fois attends, que je suis en repos. Monsieur. Attendez, si. Oui. Ouais, c'est la sûr. La seule fois que je suis en repos depuis 2 semaines. Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est comme ça. Des fois, c'est des aléas. Tu peux pas t'attendre à ce que ça se passe comme ça. Hein. C'est sûr, mais en tout cas, ouais, le chien fout de son sang, c'est sûr. Ouais, je comprends, mais là, du coup, il est pas à l'hôpital, on est d'accord, on est bien, c'est la police qui s'en charge. Si, ah, il est à l'hôpital, on vient le déposer. Attends, quoi, mais il était pas à l'hôpital, là, je viens le déposer. Non, mais dis-tu, monsieur, ça se voit autour de mon cou, non, ouais, les yeux, je dois vous sortir un badge et faire tout. De toute façon, il y a plus d'autres patients, donc moi, je vais juste prendre un fin de service. C'est quoi ça? Vas-y, bonne fin de soirée. C'est des vrais policiers, ouais. Ça? Bah, je sais pas, ils m'ont pas montré leur. Enfin, le badge, je le vois là, mais. Si c'est pas des vrais. Ah, mais ouais, c'est sûr. Non, que... c'est pas un moule. Vous voulez faire une soirée en garde à vue, monsieur, pour voir si je suis un vrai policier? Si vous avez une carte de police, vous nous la montrez, monsieur. Il y a déjà des policiers sur place, appelez-les, d'ailleurs, qui sortent et ils vont venir. Bah, on peut les ramener si c'est vos collègues, on va aller chercher. Je vais les vérifier. Allez-y, sortez-les. Quand on croise des comme ça, là, j'ai envie de sortir la MP5 et même pas parler avec eux. T'as pas les couilles. Va te faire enculer, toi. Canelo et James, ouais, jamais ce choix. Attends, César, c'est quoi les mecs de chez Moore, là, qui ont les armes? Ils s'appellent comment? Je sais pas. Il est où, Papy? C'est Canelo, c'est ça. Un c'est instant. Bon, vous pouvez nous laisser, monsieur le médecin. Ok, pas de soucis, ça marche. Oui, c'est ça, celui qu'on avait eu entre les mains. Bon, moi, je vais prendre mon fin de service. Du coup, c'est des vrais policiers, ça, ou bien... Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est non, bon. Non, normalement, c'est OK pour lui. Ne vous inquiétez pas, on gère. Okay. Bah, la famille... Attendez un instant. Bon, du coup, le corps, c'est bien Monsieur Gray. Mais je vous confirme. En effet. Ah bah, qui repose en paix. En effet. C'est bien triste. Ouais. Je pleure. Je vois ça. Vous voulez un mouchoir? Non. Tu peux vérifier, on peut regarder son corps. Bah, les médecins sont en train de faire l'autopsie, donc ils terminent et c'est bon. Okay. Vous avez... Bonsoir, messieurs. Vous avez confirmation du patient? Oui, c'est bien lui. Juste, il termine l'autopsie, après vous pouvez voir le corps. Mais moi, c'était juste pour m'assurer de voir que c'était monsieur Gray. Oui, non, on vous confirme. Ça marche, monsieur. Bon, on va attendre gentiment, on vous laisse... Super, vous merci. Mais du coup, là, il est mort, hein? Et oui, il est mort. Bon, il se confirme une identité, on va faire une petite photo et... Ochoa, Fox, Gray, Santana, César, assassin de Leonardo et Krieger. Merci. Et rien d'autre. Rien ce qu'ils ont mis tout en haut. Dégagez, madame, là. Arrêtez de me couler, madame. Vous sentez mauvais. Sentez mauvais. Vous êtes qui? Ouais, allô. Pourquoi vous traîniez devant? César, tu m'as appelé, désolé. Ouais, je t'ai appelé, ouais. Tu vas bien? Ça va, tu vas bien? T'as des choses à me dire, non? T'as fait quoi ce soir? Oh, t'as entendu mon nom? Je suis très heureux. Non, je n'ai pas entendu ton nom, non. Quoi? Je devrais. J'ai raté une information. Tu es un menteur. J'ai pas entendu ton nom pour de vrai. Mais dis-moi plus. Putain, Ethan le menteur. Ethan. Je suis pas un putain de menteur, d'accord? Si t'as un bon petit prénom de victime, toi. Okay. Ethan, t'as changé ton nom parce que t'avais honte. Tu veux un truc plus badass? Non, tu es Ethan, le gentil Ethan. Je vais t'envoyer... Tu vas venir là, César. Je vais t'envoyer une position. Tu vas venir seul. On t'attend. Et je compte... On t'attend. Tu crois réellement que je vais prendre un véhicule et venir dans une position où on t'attend réellement? Non, mais sincèrement, moi, tu sais avec qui je travaille. Ils travaillent pas pour eux, t'es un putain de pion qu'ils ont envoyé à un moment quand ils avaient besoin d'eux, c'est tout. Ça s'arrête là.
C'est pour ça, il n'y aura que toi et moi. Tu viens et on va discuter. D'accord. Espèce de terroriste. Ou tu préfères quoi? Que je t'appelle pour une... faire sauter quoi? Une voiture, je sais pas, c'est quoi tes préférences? Quel terroriste est en train de me parler? Je suis simplement un citoyen qui essaie d'être un du modèle. Du FLN sûrement, j'en sais rien, plein. Bref, je t'envoie une position et viens. Ok, d'accord, très bien, envoie ta position dans ce cas. C'est un putain d'infiltré, arrête de parler avec lui. Bonjour mesdames, police. C'est faux, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. C'est faux, voilà. Hey, on a un rendez-vous. C'est bizarre de ce cas. D'accord. On va au Bénis. Je vous ai vu traîner devant. Bonjour madame. Très charmante. Ça marche. Bah enchanté monsieur Skinner. Madame, j'existe madame. Elle pue, bien elle pue. Toi tu pues connard. Madame. T'as pas ses collants. Madame. Oui. Hey, j'ai un rendez-vous là. Fais attention à ce que tu dis, hein. Fais attention. Hey. Viens avec moi, jusqu'à la voiture, je vais te donner un cadeau. Fais gaffe. On a un rendez-vous là. Viens, on y va. On m'entend, on m'entend, la pute, tu m'entends? On m'entend. Ah, pardon. C'est la pute. Non, mais je parlais à là-bas là, non. Parce que je vais te niquer ta mère, la pute là. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il veut te niquer ta pensée. Vas-y, monte. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, viens, on monte, César, laisse tomber. Eh oui, elle est vraiment touchée. Qu'est-ce que tu veux, le noir? Qu'est-ce que tu veux, le noir? Hein? Le quoi? Qu'est-ce que tu veux, le noir? Moi, je suis raciste. Dernière fois que tu parles comme ça. Fais quoi, toi? Fais quoi? Tu sais pas qui je suis, moi. Allez, on se casse. Tu me racontes, elle, là. Là, bah, quelqu'un a une MP5, elle me fait ça. Ah, putain! Est-ce qu'on est en train de rigoler ou quoi? Elle est folle ou quoi, elle? Attends, je vais appeler l'inspecteur. Ah, wesh, elle a dit... elle est niquée. Eh, hey. Ah ouais. Putain, elle est vraiment malade. Mais j'allais dire quoi? Il y a Carter. T'es pas chaud, on l'envoie une position? Et on le fait parler, on fait comme si on nous courant tout. Ouais, inspecteur, c'est moi qui ai mis la rafale devant l'hôpital. Ne vous inquiétez pas. Ouais, elle comprenait rien, la demoiselle. Donc, au bout d'un moment... Vous inquiétez pas, c'est juste, c'était moi. N'ayez pas peur. Ça marche? Oui, ça... Wesh, elle a fait... Non, je vous expliquerai, monsieur Ulysse. À plus tard. Elle a lâché une dinguerie, elle a dit quoi? C'est malade, elle, hein. Ouais, tu m'as dit quoi? Tu veux Carter? Tu veux qu'on fasse quoi? On lui envoie une pause et on lui dit qu'on est au courant de tout, de la réunion, qu'il nous dise ce qui s'est dit. Vas-y, si tu veux. Vas-y. Ça va, Ethan? Tu vas bien? Appelle-moi Lenny. Lely? Lenny. Lenny. Lenny Carter, ouais. Ouais, effectivement, comme tu m'as toujours appelé. Pourquoi t'insistes avec ce nom? Parce que c'est le tien. Pourquoi t'es autant convaincu? Mais je le sais. C'est, tu bon, je suis pas à l'étape de chercher... enfin, de te prouver que je sais. Enfin, je le sais. Très bien, parfait. Okay, bon, allons. Que t'as cette information, qu'est-ce qui va se passer? Bah, rien, ça me fait rire. Bah, oui, c'est, bah, bon, j'en ai complètement rien à foutre. Entendu. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que là, ce soir, t'étais à une réunion. J'ai été à une réunion? Oui. Un rendez-vous. Avec des gens sales. Non. Si j'ai de l'enclume? Non. Peut-être. Et qu'est-ce que tu veux savoir de ça? Ben moi, je veux que tu m'aides. Qu'est-ce qui s'est dit sur moi? Regarde, je vais être franc avec toi. J'ai compte de l'argent... J'ai attrapé Bubule et je l'ai ramené à comment ça s'appelle, à Ochoa et compagnie. Donc tu l'as trouvé, ce Bubule? Ok. Ouais. Mais sauf que je savais qu'ils n'allaient pas le tuer. Donc au final, il est reparti. Et du coup, là, j'ai vu les affiches où ça met que moi, j'ai tué le juge et Leonardo. Alors je sais même pas qui c'est. Leonardo, je l'ai jamais vu de ma vie. Le juge, j'avais un bracelet électronique. J'allais me faire juger, je vais pas le tuer alors que je suis sous bracelet...
pour un cambriolage chez lui. Et c'est quoi, ils t'ont mis la responsabilité sur toi, du coup? Non, je sais pas. Ben justement, je veux savoir, avec toi, via toi, tu m'aides. C'est quoi l'histoire? Je te promets que je t'aurais aidé, César, comme. T'es pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais je sais que tu essaies de te démerder comme tu peux. Je t'aurais bien donné des informations, mais je les ai vraiment pas. J'ai pas eu de réunion, je sais pas qui t'a dit quoi, mais en tout cas, j'aimerais bien entendre les merdeux qui arrêtent pas de parler de moi et de me mettre dans toutes les sauces à droite et à gauche. Parce que je t'ai dit que j'ai quelque chose de très important actuellement. Écoute, je suis au courant que tu étais à ce rendez-vous avec Donny, avec Mor... Attends, je vais te dire avec qui. Avec Mora, Guadalupe, Daryl, Donny, Bubul, Django, Kofi, Captain Doudou et 3-4 autres personnes. Je te promets que ce soir j'étais avec Michel Lanclem, ça s'arrête là. Hey, il m'a ramené de partout en train d'essayer de faire en sorte de me faire passer pour le mec qui va faire tomber le gouvernement, on va comprendre ce gars, c'est tout. Carter, arrête, arrête. Toi et moi, faut qu'on s'entende, je te jure. Vaut mieux pas qu'on se chamaille. Vaut mieux pas. Est-ce que tu veux réellement que je te mente pour qu'on soit amis alors dans ce cas-là? Oui, oui, mens-moi. Mens-moi alors. Très bien, alors je sais tout. Oui, effectivement. D'accord, qu'est-ce qui s'est dit? Ils veulent te buter. Mais pourquoi? Parce que tu as une petite fouine de merde qui a un peu trop d'informations et ils veulent en finir avec toi. Ah là 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 là. Écoute, si tu me dis tout, je te dis quelque chose sur Jody qu'elle a dit sur toi. Écoute, je sais tout. Tu sais pas, je te jure, tu sais pas si c'était aujourd'hui. Elle a dû me dire que je suis complètement fou, ou que je suis complètement fêlé, que j'ai un problème, ou je sais pas quoi encore, comme la moitié de cette ville. Quand je suis heureux, les gens me disent comme quoi j'ai des problèmes. Écoute, César, j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Putain d'heureux, là. Allez, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un foyer, dormir, j'ai... Mais t'es un menteur, mais tu sais très bien ce qui va arriver, pourquoi tu... On s'en fout de ça. Tu vas t'y prendre comment, d'ailleurs? Qu'est-ce qui va arriver, du coup, César? Qu'est-ce qui va arriver, dis-moi. Éclaircis-moi ma lanterne, dis-moi tout. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais, je te dis pas. T'écoutes quoi, des illuminés? Des personnes qui sont venues te fredonner comme quoi c'est la fin du monde dans 2 minutes? Ou peut-être demain, ou peut-être après-demain, on sait pas exactement. Non. Écoute, faut se cacher dans des bunkers parce que ça va faire boum de partout. Non, du tout. Alors pourquoi, alors dans ce cas-là, tu crois savoir réellement ce qui va se passer? Bah tu le sais, rien de tout ça, c'est que de la merde, c'est que de la foutaise, je te l'ai déjà répété au Megamall. Tu crois pourquoi on est sorti du Megamall et tout le monde a repris sa petite vie tranquillement? C'était juste un boum qu'on a entendu de loin. Le fait de faire aucun blessé, de balancer un truc qui fait assez bon. Bon, Carter, je vais te montrer un truc. Tu vois ça? Ouais. Et tu vois ça, cette carte? Je travaille pour Ochoa, fils de pute. Tu veux pas parler? Bonsoir, on va te faire parler de force, le vieillard. Bonsoir. Vous allez bien, monsieur Carter? Ouais, bien sûr, ouais, très bien. Et pourquoi on t'a appelé directement? Retire ta casquette. Moi, je voulais... À la base, c'est ça. Méthode, monsieur Carter. Ah, vous aimez bien la menace et des trucs, etc. Il va falloir que vous me butez ce soir, alors dans ce cas-là, je reviendrai plus à vos rendez-vous de merde. Oh, c'est un peu gênant de pouvoir m'appeler directement de venir au lieu de me faire une accueil avec un AKU dans les mains. Comprenez, vous emportez un peu frustrant. Essayez de comprendre les choses, monsieur Carter. Moi, je vais pas vous voir ni vous ni votre sale gueule. Mais vous l'avez fait, dans tous les cas, parce que vous étiez contraint de le faire. Oui. Allô? T'es lié de près ou de loin avec le roi des égouts, pas? Non, attends, je te rappelle. C'est urgent, pas? C'est pas urgent, on la croit plus tard. Vas-y, attends. Rappelle-moi, tu vas baisser d'un temps. Il voulait pas te voir, Carter. T'es vraiment fou, hein. T'as pris quoi? T'as pris quelle frappe dans ta tête, là? Il voulait pas te voir. Je peux t'attraper à n'importe quel moment. Je peux être sur tes traces tout le temps, Carter. Je crois que je vais m'amuser à faire des guet-apens comme ça. Alors pourquoi, dans ce cas-là, tu peux pas m'appeler et venir? Tu crois réellement que je me serais amusé à courir de partout dans la ville? Parce que c'est moi qui veux te parler. C'est moi qui veux te parler, Carter. 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 Je suis descendu pour surprendre. Carter, c'est moi qui veux te parler. Carter, c'est moi qui veux te parler. Et Ochoa n'est pas au courant de ce que vous êtes en train de faire, là, du coup? Ah bon, lui dira, putain, sacré merdier là. Oh non, s'il vous plaît, balancez-moi pas. Monsieur. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, vous mettez tout ça dans la merde. Dites-le pas, Carter, dites-le pas, je vous en supplie. Arrêtez. Je dis rien du tout, j'en ai rien à foutre. Mais je suis en train de dire, vous êtes en train d'agir de votre propre gré. Vous allez vous mettre dans la merde.
Bon, Carter, parle avec César, Carter. Je veux juste savoir ce qui s'est dit sur moi. Le reste, c'est pas mon problème. Juste moi. Encore une fois, même si t'arrives pas à croire... Que t'es un menteur, on sait qui était. Il y a des photos, il y a tout. Ben montre-moi les photos. Montre-moi les photos de suite. D'accord. Et s'il n'y a pas ma tête sur les photos, c'est toi qui te mets une balle dans la tête. Ça te va? Sinon, c'est moi qui me la prends. Je suis prêt à prendre le risque. T'es sûr? Ah ouais. Tu es certain? Ouais, de ma photo, tout ça, etc. Vas-y. Et donc. D'accord, tiens. Vas-y. Je bon. Te l'ai airdrop. Mais c'est des seins. Ouais. Y a pas de photo. Ils sont petits en plus. Y a pas de... Écoute, Carter, je suis pas avec eux à 100%. Je te jure, tu mets sur ça, je serai redevable. Moi, je cherche juste une porte de sortie. Avec eux, c'est la sécurité. Parce qu'ils sont en place. J'ai réussi, je suis bien. Voilà. Je sais pas ce que tu t'es mis dans la tête, c'est ça à croire que je suis contre toi ou je sais pas quoi. Mais t'es pas contre moi, c'est pour ça que je suis venu te voir. J'ai pas de camp. Si j'avais une information, je te l'aurais donnée. Mais je sais que t'as pas de camp. Vous en êtes à l'arrestation, monsieur, vous devez me dire. La crédibilité, mon vieux. Va falloir que tu lui mettes un peu plus de moi, je fais « Ok, je recommence. Allez, vous êtes en état d'arrestation. Okay, » Ok. Pour parce que vous êtes un pointeur, monsieur. Alors, butez-moi. Je préfère être mort que être un pointeur, parce que... Ouais, je suis d'accord avec ça. Je préfère ça. Bon, Carter. Hey. Tu m'as l'air sincère. Que moi, ce que je vais faire, c'est encore plus sincère, c'est que la personne qui m'a donné cette information, je vais te la confronter. Ah, avec grand plaisir. C'est réellement, entre guillemets, cette personne-là me dit que je suis quelque part. Ça, c'est des choses que t'aimes, toi, Carter. Eh, il aime ça. Il aime pas que ça, d'ailleurs, lui. Et si tu fais en sorte que je suis convaincu, eh ben, c'est toi qui vas liquider ce mec comme ça, il pourra plus baver. Ça marche? Ça me va. C'est très bien. C'est parfait. Que ce soir, j'étais quelque part dans une réunion qui parlait potentiellement d'un d'entre vous, c'est ça? C'est ça. Ok, entendu, ça me va, ouais. J'aime beaucoup. Et j'aime pas les gens qui bavent pour rien du tout. C'est un mouvement de rassemblement, de révolutionnaires qui veulent. Ouais. On va faire ça. Un mouvement de rassemblement de révolutionnaires, carrément. Ah ouais, ils ont des projets. Oui, mais ils vont vite tomber à l'homme, ces cartes. Ah ouais, certainement, je ne doute pas de vous. Je pense de frappe. On fera ça comme ça, je pense que ce sera plus simple que de se contredire et de se dire. J'ai fait ça. Encore une fois, comme je t'ai expliqué, j'en ai rien à foutre de dire la vérité. Et si c'est une vérité que j'ai pas envie de dire, je la dirai pas. Mais là, y'a rien qui vous concerne, quelque chose que j'ai fait une réunion ou... Non, César est venu te voir dans le sens où dans cette réunion, il a été dit que César était la cible numéro 1 à battre. Et ses dernières actions. Qu'est-ce que cette crapule? Pourquoi vouloir tuer cette vieille crapule qui essaie de s'en sortir? Le vendeur de... Je suis juste un hustler. Un hustler. J'ai appris ce mot. Un hustler, ouais. C'est l'heure de Marvel, c'est vrai. Ouais, d'accord. Très bien. Ok, admettons que César est la tête pensante et que tout le monde lui veut du mal. Donnez-moi une raison de lui vouloir le tuer le premier, hein. Même si, entre guillemets, il y avait une force. C'est pas César la raison, monsieur Carter, c'est les abrutis en face. Mais les abrutis, justement, ils ont été convaincus que c'est lui le roi de la planète. Qui est aussi con pour croire que c'est lui le roi? Hein? Avec tout le respect que je te dois, César, bien sûr. Je sais pas de quel auteur ils sont tombés sur la tête, mais ça devait être très bon. On est d'accord. Ouais, je vais en faire un dur, moi, de César. Faut pas le sous-estimer. Non, c'est bien, ouais. Mais pour l'instant, il est totalement nié. C'est une serpillère pas mouillée, quoi. Je vous assure, elle sert à rien. Très bien. Bon, monsieur Carter. À moins que César il a d'autres choses à vous dire, on va aller faire un petit tour, César, on a affaire. Bah vous m'appelez, vous me dites où il vient pas le gars là, il vient pas. Ouais, dès qu'on l'a, on vous l'appelle. On vous appelle. Vous m'appelez, je viendrai. Pour remettre ma casquette? Tenez ce papier, attendez, je l'ai, non, je vous la rends. Ok. Bon, je vais attendre. T'as pas le droit de remettre ta casquette. Bon, je vais attendre. Venez, je vous la donne, venez, venez. Approchez, il va vous donner un papier. Avancez. Ah t'es un bâtard. T'es dit il est fou, tu veux absolument le voir. Mais moi ça me fait, je l'aime bien. J'aime bien le faire Attends, craquer. Tu sais où la bête Tara Lewis ou pas? Non. Putain, attends, si putain je suis ouais. Voilà. Ah putain. Tu vois il y a des maisons autour d'un lac. Une espèce de résidence, il y a plein de grosses villas. Tu vois c'est laquelle?
Mets-moi un point, mets-moi un point. Ouais, j'ai mis, vas-y. T'as, y'a Mikey qui m'a appelé. Vas-y, je te rappelle. Vas-y, il me rappelle, il m'a dit. Fils de pute. Jamais. Décalez-vous là, comment je passe? Messieurs, dames. Tu fais le tour. Tu t'écartes, tu fais le tour. Ah. Je vais vous aider, messieurs, dames, vous allez stationner hier. C'est bon, oui, tranquillement. Sans aucun allez, sens. Plus vite. Oui. Plus vite. Ouais, excusez-nous, monsieur l'agent. Allez, dépêche-toi sur le côté là. Excusez-nous. Vous m'avez fait vraiment peur là, monsieur. Pardon. Vous m'avez fait très peur. C'est une petite merde. Ouais. On va faire quoi là? On va aller voir ce qui se passe là-bas. Là. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a l'enclume, il a kidnappé des gens au Beretta, il va absolument par la faire aller, oui, je sais pas quoi. Et aussi, je vais le choquer. Grrr. Putain, l'enclume, ah, je vois. Ah ouais. Ouais. Je vous laisse négocier. Ouais, mais on va pas négocier, lui, on va parler avec les coups. Hein. Ouais. Bubule et Denis, ça te dit un truc? Bubule et Denis, oui, je les cherche. Tu les cherches? Parfait. Dès que tu les as, tu me le dis, César. Ok, parce mais c'est chaud, ils savent. Ouais. Ouais, parce que c'est deux petits fils de pute, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont pétardé Grey chez moi, à l'Unicorn, à la soirée, ma soirée d'inauguration. Et quand je l'appelle, il me fait le mec bombé en mode je vais rien lui faire et qu'il menace moi et ma famille. Essaye de les avoir. Non, mais Rache, il est avec toi, c'est tes gars à toi. Rache, il est avec moi, Rache, il est avec moi. Eh ben, on va aller sur eux. Non, mais toi, tu vas dessus ou pas? Oui, mais là, nous, on est en. Ils savent que je les cherche, moi. Ok, c'est simple. Si tu les as, tu me ramènes, je serai présent. Si vous comptez faire un truc, je vais être présent. Si tu fais ça, je t'aurai de récompenser, c'est bon? Vas-y. Ça, y'a quoi, c'est quoi? C'est ici? C'est dans ce pavillon là, mais y'a rien. Personne. Ah, c'est bon, vas-y, viens, bouge. J'ai des mêmes comme de mettre la rafale à l'hôpital. Le poste. Je sais pas. C'est pas ici? Non, c'était là. Bonsoir, inspecteur. Madame Lewis qui est apparemment peut-être en danger par un certain monsieur l'enclume. La part d'un certain. Madame Tara Lewis. Ça marche. Vous avez son numéro, s'il vous plaît, vous pouvez me le transmettre. Bah, j'ai plusieurs téléphones. Derrière, il y a des gens, regarde. Bah, ici. Tu vas aimer. Attends, je descends deux secondes. Tache de sang sur mes vêtements. T'approches pas si tu peux mourir bêtement. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Très bien, vous? Ça va très bien. On a été appelé par le voisinage, comme quoi il y avait une certaine dame en danger. Madame Lewis, elle habite dans le coin. Ah, ouais, elle habite ici. Et c'est ici même. Ouais. Et vous êtes Monsieur Skinner, agent d'État. C'est quoi votre badge? Je peux me permettre de regarder de plus proche? Attendez, je vais voir avec Tara. IAA, d'accord. Elle nous connaît, elle nous a appelé juste avant. Ah oui, d'accord. Ouais, bah elle est un peu bloquée dans les. Ah bah elle est là. Attendez, je vais lui dire d'oublier. Allez-y, y'a pas de soucis. Je vous en prie, madame Lewis, tout va bien? Oui, vous pouvez rentrer, j'ai ouvert. On passait juste pour savoir si tout allait bien, mais vous répondiez pas. Bonjour. Oui, normal que je répondais pas, désolé. Tout ça bien. Marche. Et. On se voit tout à l'heure. Oui, tout va bien? Ça marche, mais écoutez, si vous êtes en danger, passez un coup de fil, on est dans le coin. Ça marche. Vous
faut que je prenne l'habitude, vraiment. Attendez les moments les plus durs qu'on pense aux gens les plus importants, Madame Lewis. Vous en faites pas. Ok. A plus tard, Madame Lewis. A plus tard. Au revoir. Au revoir. Celui qui est sorti dans la bagnole là, c'était qui? C'était Vigma, non? Je sais pas du tout. Pas fait gaffe. Putain. Allô? Allô? Oui, colonel. Ah, j'ai le nom de Big Mac, oui. Il a dit quoi? Oh là là là, on arrive, monsieur le colonel. Ah merde. C'est bon. Ok, ça marche. Oui, oui, on a en ce moment un peu tout le monde lui en veut. Qui? Non, vraiment, colonel. César, c'est pas le profil qu'on essaie de vous vendre, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit mon nom? Je vais lui baiser. C'est qui? C'est lui? Il fait partie des agents qui bossent pour nous. Oui. Fils de pute. Oui, c'est un agent, oui. Vous imaginez bien que les gens le détestent, du coup. Bon, merci, colonel. A plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Jason Bigman, il a interrogé Jason Bigman, tu sais. Ouais. Et Jason Bigman, il lui a posé la question, il lui a dit, c'est qui la personne que vous détestez le plus ici à Los Santos? Et il a dit, c'est moi. César Alarcon. Et il m'a dit, c'est pas la première fois qu'on parle comme ça de César. Et en gros, il me prévient, quoi. Il me dit, attends, faites attention à lui, lui en veut. Je le baisse, le colonel, dis-lui. Mais non, mais c'est bon, c'est con, quoi. Non, mais c'est rien, les gars, abusez pas. Et c'est bien, c'est que tu fais bien ton travail. Oui. Parce que je suis quelqu'un à contre-courant. C'était qui que tu voulais ramener devant Carter? Celui qui t'a donné l'info, c'est Poté, non? Ouais. Oui, mais demain, Poté, il est mort. On va le ramener devant Carter, et s'il monte devant Carter, c'est Carter qui va le fumer. Comme ça, il est bon pas, Poté? J'ai pas son numéro, moi. Ah, moi, je l'ai. Vas-y, essaye de l'appeler. On fera ça quand il y a du monde. Ouais, c'est pour bien. Ça, je l'ai pas fait tout de suite. Attends, je t'ai pas appelé, tiens, là, tu m'as fait rappeler, mais j'ai déjà oublié. Ah, Fox. C'est les collègues. C'est la maison. Tu veux prendre un véhicule avec des sirènes ou pas? Non, ça c'est mieux, plus discret. C'est putain, vrai. Ils ont tué Grey, Donny. C'est comme une victoire pour eux. C'est où déjà? C'est là à gauche. Pour eux, c'est. C'est là à gauche. Ça a l'air d'être une victoire. Là à gauche, là. Mais pour nous, c'est une défaite. Oh, il n'y a jamais de défaite pour nous, César. Si Gray est mort, c'est qu'on a laissé faire. C'était ici. Imagine bien, c'est pas con. Et là, à gauche, dans ce garage-là. Ah ouais? Ouais. Vas-y, renseigner sur ça. Oui, je te disais, s'il est mort, t'imagines bien que c'est pas parce qu'on a mal fait notre travail. On aurait pu agir, entrer dans l'unicorne, on aurait pu faire plein de choses. Mais attends, j'appelle celle-là pour savoir s'il est vraiment mort. Je comprends pas, moi. Bah moi, il m'a dit l'inspecteur, il m'a dit qu'il est vraiment allô. Mort. Allô? Oui, mais du coup, vous avez entendu, il est vraiment mort, hein? Bah, je sais pas, nous on a plus de nouvelles, on l'a appelé tout à l'heure. Il nous a dit qu'il était en sécurité, il avait été exfiltré et tout. Et depuis, on a plus de nouvelles, donc on pense qu'il est, je sais pas, parti se coucher ou un truc comme ça. Ah non, 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 il est mort. C'est son corps, c'est lui, c'est. C'est lui. Désolé de vous l'apprendre, voilà quoi, comme ça, mais... C'est qui vous a dit ça? Bah les agents, les médecins, tout le monde, quoi. Vous êtes sûr? Certain, à 200%. 500%, même 1000%. Pleurez pas, Madame Forbes. Je sais pas, c'est bizarre, parce que... On l'a eu au téléphone après qu'il l'ait dit. Elle oublie pas ses cachets, la folle. Oui, mais
Il a... En fait, il a... Enfin, je pense qu'il s'est fait tirer dessus juste après, parce que moi aussi, je l'ai eu au téléphone, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah, donc, pas à l'uni... Donc, ce serait... Enfin, pas à l'unicorn, ouais, peut-être coup, qu'il mais... est... Après... Aucune idée. En tout cas, il est mort. Ok. C'est vraiment étrange, hein. Oui, oui, c'est bizarre, mais... Ok, et du coup... Je vous dis là ce que nous on a vu, hein. On a parlé aux militaires, aux agents, de police, aux médecins, ils ont tous dit que c'était lui. Ok. Non mais les gars, je... Donc, ben voilà. D'accord. Vous allez faire comment? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais rien. Vous êtes triste? De cours surtout. Ah, la vie est, est faite ainsi. Je sais, c'était les risques. Ouais. Faut. Ben, vu ce qui arrive, faut miser sur les bons chevaux. C'est. Pourtant, bah, au final, César, malgré tout, nous avons fini dans le même camp. Pas trop, hein. Moi, mon boss, il est vivant. Hein. C'est vrai. C'est vrai que votre boss est vivant, et le mien, il est plus vivant, ouais. 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 Rappelez, écoute... Enfin, non. Non, non. Mais, écoutez, pour l'instant, c'est sûr, mais... À moins qu'il y ait un miracle, mais vraiment... Mmh. Si vous avez besoin d'en discuter, de vous... Enfin, voilà, quoi. Moi, je suis là. Il n'y a plus Kruger, il n'y a plus Grain. Ça tombe bien, en fait, César, parce que j'aurais vraiment besoin d'une épaule pour pleurer. Du coup... Là, de suite, ça va être compliqué, mais dans les jours à venir, avec grand plaisir. D'accord, ok, ça marche. Vous, avec les forces, vous êtes en froid vous... Oui, on est en froid, oui. Ah, vous êtes la petite rebelle, hein, qui fugue de la maison. T'as pas une tente pour moi. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah, écoutez, après, oui techniquement, non, mon boss n'est pas mort, parce que je travaille au Gouv maintenant. Et vous faites quoi là-bas? Attendez. Ah là là. Mais Gray, il est mort, hein. En fait, les gars, il est mort. Il est mort sûr. Vous savez quoi, je vous spoil. Par la mort. Il est mort, les gars. Il y a eu juste un délire bizarre, en gros, dans la scène. Il est mort. Ouais. Non, rien. Attends. Faut que je vais quelque part, je me branle. Je bande trop, là. Ça me fait mal. C'est quoi? C'est toi qui m'envoie ça? Ah non, j'ai mis un post sur Life Invader, il y a un commentaire. Ta gueule, grosse mette, c'est bientôt ton tour. C'est qui ce fils de pute? Django. Django Coffey, non? Avocat et agent d'Allison. Et bon, on va aller tuer Allison. Oh là là, mais mettez-vous pas au milieu de la route, monsieur! Ça va, putain. Monsieur? Ça va ou quoi? C'est pas comme un mec qui a dû faire fronquer le cul, donc non, pas trop. Ta gueule, connard. Attends. Il est fou! Il m'a raconté. Si on est dessus, là. Putain. Par contre, moi j'avais une coupe, ouais, à la base. Madame? Oui. C'est quoi? Oui, elle est partie. Ah, vous êtes enceinte? Oui. Oui, monsieur. Bonsoir. Ouais. Et est-ce qu'on a dit monsieur? Non. Ok. Ah, si, vous avez dit monsieur. Au revoir, monsieur. Vas-y. Vous emmerdez. Ah, putain. C'est qui le père? Il est où le père? Vous venez de le rencontrer. Ça bosse, ça farme, même enceinte. Hein. Est-ce qu'on peut vous aider? Désolé, madame. Arrête, fils de pute. Ah, mais pas comme ça, vache.
Mais c'est la première fois que je vois ça. Je suis choqué. Ah, enceinte. J'ai envie de faire la vie de la mère. J'aurais que tu prennes la voiture. Tu t'arrêtes pas. Pourquoi Assu... mais eux, il y avait pas un truc. C'est pas des... Ils ont pas fait un truc, eux. Il y a quelqu'un qui les cherche, eux deux. Hein. Ce couple-là, là. Ouais, 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 sûr. Ah, c'est Roman. Ils partent sur Roman, eux deux. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est vanné par des femmes enceintes. Vas-y, j'ai pas écrasé de... C'est vrai, ouais. Vanné, lui. Ouais. Il y a pas un coiffeur d'ouvert. Putain, je suis mort de rire. Fils de pute. Je suis pas sorti tout seul. Allez. Je savais pas, les gars, on a déjà vu ça ou je suis fou moi dans ma tête? Jamais vu, non? Skin enceinte. On a déjà vu ou qui? Mais là, celui-là était trop bien fait, wesh, un vrai bide. Hurricane. Hein? Mais voilà, je m'en souviens pas. Hurricane! Putain, mais j'ai la haine, le Django, on l'a croisé en plus. Qui ça? Le Django, là. On l'a croisé où? T'as l'air devant l'unicorne. Eh, hey, mais. Putain. Y'a pas de quoi faire. Attends, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, ouais, là, on a. On va abuser, faut qu'on aille dormir. Ouais, ouais. Aïe! Ouf! C'est quoi le local que Poté m'a donné la pause? Ah, le colonel, rendez-vous à la citadelle là. Ah ouais? Ouais, mais c'est. Nous, on n'y va pas. Non, je... je me balade dans ma citadelle, je réponds. Je te dépose n'importe où, c'est bon. Pose-moi vers le hangar aussi, s'il te plaît. Ok. Et t'as passé les clés derrière? Non, je les ai pas. Bah ça, faut que c'est Altego qui te les donne. C'est Altego son nom? Non, Tego. Tu arrives à poser le spike ou quoi, sale bâtard? C'est pour ça, je le disais. J'aurais le même nom. Eh non. Tego Ochoa. Je réponds que quand l'argent m'appelle, mouillez le maillot et maillet. 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 Ah putain, elle m'a eu la meuf enceinte. Vraiment. Enceinte sur un jeu avant d'être enceinte dans la vraie vie, ça se trouve. C'est un palmarès, hein. Vous pourrez vous marier avec une meuf qui a joué une meuf enceinte d'un autre mec sur un jeu vidéo? Est-ce que pour vous c'est comme si elle était enceinte dans la vraie vie? Comme si elle a déjà été en cloque une fois? Bon bah vas-y, à demain. Enfin, à mardi. Vas-y César. Vas-y. Allez, bonne nuit César. Bonne nuit.